Du coup. Ah, si j'allumais la manette. Et oui. Parce qu'on joue la manette. Ce petit jeu-là, je sais pas si. Voilà. Surtout, oui. Voyons voir ce que ça donne. Si vous voulez plus de son, moins de son, la petite bougie erre dans un ponton. Ah, quand même, une ambiance élancalée. Une petite ambiance un peu comme ça, un peu chelou, hein. Ça fait dim dam doom. Ouais, Nightmare Creature est pas loin. Une petite bougie avec cette petite papatte. C'est voilà. Le son du jeu est un peu fort. Ok, bah je vais baisser de suite, pas d'un demi-heure. C'est vrai que c'est des sons assez sourds. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux, peut-être trop là du coup. Je voudrais quand même bien avoir les ambiances du jeu parce que des fois sur les lives, je trouve que c'est pas. Je profite pas assez. Alone in the darkness. En plus, c'est sous-titré en français. C'est la fête. Ah bah oui, c'est vrai, c'est la fête. C'est, le menu était déjà en français, mais j'avais pas pensé qu'il y avait des dialogues. Looks at himself curiously. Why do I burn? Avec du voice acting et tout, quoi. Attention. Hein. J'ai pas trop remonté le micro Why du coup. Am I different? Ok. Donc c'est une bougie qui se pose des questions profondes sur sa psyché. Pourquoi brûlais-je? Alors là, je suis éteinte. Je peux sauter. Oh! Ah mon dieu, la petite cire qui tombe! C'est absolument adorable. C'est vrai que c'est assez raide au niveau des graphismes. C'est, bon, les textures sont pas. C'est pas. Ça m'a pas l'air aussi beau, Nightmare Creature, mais ouais, alors. Donc ça, c'est quoi? C'est les objectifs. Il faut allumer des bougies. Il faut que j'allume les collègues. Je peux me déplacer, mais pas plus de 10 secondes, je pense. Je vais essayer de brûler, voir ce qui se passe. Oh! Ah mais c'est game over après? Ah merde! Ah oui! Bon bah attendez, je vais faire le game over. Ah ouais, carrément! Et j'ai 10 vies en fait. Ok, putain, ouais, c'est. Il n'y a pas de checkpoint. Hein, mais non. Enfin si, le truc reste allumé, mais je repars pas. Waouh! Wow. Ok, donc, ouais, les mécaniques de jeu. Bon, ça va peut-être être expliqué après, hein. C'est moi qui est un peu forcé sur le. Oui, c'est plus qu'acceptable pour un premier jeu avec un aussi petit budget. Non, puis il y a une vraie DA, il y a une direction artistique. T'as pas l'impression forcément de jouer à un jeu Unreal sans âme, tu vois. Et je peux pas. Eh, j'ai pas de bras. Eh, y a pas de bras, pas de bougie. Et non, là, faut que je trouve un moyen de monter. Est-ce que je peux pas courir un peu parce qu'il y a un poil lente. Ah non. Ok, y a un bouton de saut. Ouais. Rien de plus, sauter allumé. La simplicité du gameplay, bah c'est peut-être pas plus mal. J'avoue que c'est très original et l'ambiance un peu chelou comme ça. Ah, il y a une planche, d'accord. Et on la voyait pas avant. Du coup. Non, je peux monter. Enfin, il est très très court à ce qui paraît. Ouais, mais faut. Là, c'est peut-être pas je m'en aille, non? C'est quoi ça? Une chaîne là, mais. Ça fait quoi là? Il y a de l'eau. Je peux quand même mettre mes petites patounes dans l'eau. Je sais pas à quoi ressemblait leur prototype pour la Ludum Dare, mais c'est. Ouais, c'est vrai que c'est propre. Hein. Ça fait quoi? D'accord. Ouais, ok, d'accord. Je peux chercher à remplir l'objectif ou aller à la fin du niveau. Ok, bon. On va peut-être essayer. Bonsoir, Némé. Bonsoir, la Chine. Bonsoir, Beijing. Singapour, Hong Kong. Bonsoir les Ching Chong, voilà un peu de racisme pour Nemesis, c'est bien ça. Parce qu'il a son petit verre de Porto à la main. Quoi, il est pas raciste, il boit du Porto. Un Porto au Portugal, voilà. Mon petit Némé, comment ça va? Ça fait bien longtemps. Qui c'est qui est là? C'est Kenou, qui a une couleur bleu foncé, donc je ne vois pas bien. Parce que moi je suis en mode dark. Ah, il y a un trou, il y a un trou. Putain, j'ai failli. Ah oui, putain, ouais, merde. J'ai failli me vautrer. On est d'accord, les petites gouttes de cire, c'est un peu suspicieux. Ah, c'est intéressant parce qu'il faut que tu.
Ouais, que tu doses un peu ton éclairage. C'est futé, c'est futé! Là, on sent les mécaniques de Little Nightmares, quand même. Hein. Yahoo! Mais ça marche, Unreal fait le taf. Bon, c'est très couleur boisée. Hein. Oh non, merde! C'est la chute. C'est le choiement. J'ai 10 vies pour le chapitre, on va dire. Par contre, c'est chiant, ouais, ça me refait popper là. Ouais. Mais au moins, j'ai pas rallumé. C'était dans le petit trou, le petit coin-coin là que j'avais pas vu. Voilà. Ah, mais putain, mais il y en a en plein milieu. Ah, mais merde, en fait, c'est un vieux gruyère en fait le truc. Mais comment je suis pas tombé tout à l'heure? J'ai eu trop de bol. J'ai eu trop de bol. C'est vrai qu'il n'y a même pas une pauvre explication quoi sur la mécanique du crève si tu laisses allumer pendant 10 secondes ou quoi. C'est raide quand même, hein. Ah bah j'en avais oublié une là, ok. Ouais bah non, ça se voit tout de suite là. Une grosse inspiration. Après le jeu lui-même, non, c'est juste de la plateforme. Hein. Puis bon, la petite mécanique de lumière, au final, oui, enfin. Mais c'est juste incarner une petite bougie, ça. Ça me fait bien plaisir. Ah vite, vite, petite bougie. Il faut des bras. Il faut des bras pour s'accrocher. Eh, pas si facile, hein. Je suis mon petit chemin de cire. Bon, alors appliquons nous à ce dernier saut. Je l'ai bien fait dans le pro de l'autre sens. Et du côté de la progression, je n'y arrive pas. Bon. Allez, tête de cire. C'est la fête, c'est la fête. Je vous ferai voir ma zigounette. Elle n'est pas aussi bien montée que celle de Clex 3D. Titi ti 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 ti. Oh putain, mais héros quoi? Qui cuit cuit cuit. Alors. Ouais, je pense que c'est un peu fait exprès, effectivement. Puis ça donne un. C'est bête, mais ça donne un petit effet visuel sympa, en fait. Ça ressort des décors assez sombres et tout. Un petit côté rassurant, oui, un côté un petit poussé, effectivement. The Bougie was here, tu vois. Alors, c'est sûr qu'on n'aurait pas un super scénario comme Murray Mother. C'est bien dommage, voilà. Est-ce que je peux tomber? Ouais, là, je pousse ce volant. Ah, putain, c'est chaud, hein. Ouais, je fais un peu gaffe. L'enzymion. Ouais. Alors c'est un jeu qui est pas si récent que ça en réalité parce que je sais pas quand est-ce qu'il est sorti sur Xbox Live, mais j'en avais jamais entendu parler. Voilà, les systèmes de d'équilibre un peu de Little Nightmare. Hein. Alors pourquoi ça s'est mis à pencher tout d'un coup? Ah, je vois pas. Bah celui-là je l'ai passé. Il avait l'air plus dur. Ah, il m'en manque une. Comment je la chope là-haut? Oui, voilà. Ça, je vais finir un chapitre en entier quand même, allez. Nooo! Ah, ça, la tentation est trop tentatrice, voyez-vous. Un petit checkpoint en milieu de niveau. Ah, eh. Ah oui, il y a des bougies spéciales, d'accord. Ça, c'est une spéciale qui s'aide. Bah voilà. Non, bah c'est parfait. Au moment où je le dis, je me rends compte qu'il y en a une, c'est nickel. Un petit checkpoint genre en milieu de niveau, là, c'est très bien. C'est très très bien. Rien à dire. Oh là, allez, c'est la fête, mais là, peut-être pas exagéré quand même. Par contre, j'ai peur que tous les niveaux soient sur ce délire de caisse en bois et tout ça. C'est un peu dommage. Alors, on peut encore essayer, du coup, on est à côté, ça mange pas de pain. Alors, le vautour physique. N'hésite pas à bien faire descendre le truc. Et voilà le travail, bébé! Qu'est-ce que tu vas faire contre leur bataille? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah mais non, mais en fait...
On peut plus accéder, non? Comment j'ai fait pour l'accéder tout à l'heure? Ah non, mais c'est que c'est vraiment le chemin à suivre là-bas? Ah mais non, moi je croyais que ça allait se remettre. Ah non, c'est fait exprès en fait. D'accord. J'ai fait plein de petits pipis là. Ouais, ouais, alors j'ai hâte de voir. Ouh, d'accord, ok. Putain, vache. Oh, c'est l'angle de vue là. Ça donne le vertige. Ouf, il était temps que j'arrive. C'est un petit peu fort. Sans voir la direction. Elle brillait dans la noire. Ah, et ça écrit un poème. Et quand je libère toutes les bougies, ça met une petite phrase en plus bonus dans le poème. Cheminer sur un pont secouant. Ça, enfin, je crois, quoique le premier chapitre, ça va pas rajouter de phrase, si. Je sais plus. Alors. Oh. Putain, je m'en rendais pas compte. Check. Ça, un petit peu, là, il y a une chaîne, mais. Non. Je peux évidemment pas tourner la caméra, vous doutez bien. Ich. Pourquoi la jouabilité, elle vient, hein. Rien de particulier à dire. Mais c'est déjà pas si mal que ça, hein. Que c'est pas tout le temps qu'on a une bonne jouabilité. Attends, ça penche. On doit être aussi sur un bateau. Bon, c'est vrai que beaucoup de trucs proches de Little Nightmare, mais c'est un peu plus jouable parce que le truc est en pas tout à fait de profil. Je me suis emballé. C'est bon. C'est un peu plus facile. Bon, les sauts sont peut-être un peu moins compliqués aussi. Attends, faut que j'attende que ça repenche. Voilà. Ah, YOLO! Ça marche. Je dis YOLO en 2018 et je m'en moque. Ah non, ah non, ah non, ça c'est tard d'avoir. Non. Après, heureusement, la petite bougie, elle en a rien, un peu rien à foutre de la gravité. C'est-à-dire que le truc est comme ça, elle tient debout. Grosso modo, elle glisse pas trop, quoi. Donc ça va. Bon, je suis en train de bien gaspiller tous mes trucs, là. Ouais, caméra qui se place bien. Ouais, j'ai plus beaucoup de vie, hein. Allez, on fait encore. Oh merde! Je vais dire, est-ce que je peux me faire écraser? Oui, je peux. Je me suis fait culbuter. Je me suis fait culbuter par le tonneau. Bon, c'est pas très varié, mais c'est pas le but non plus. Hein. Ah, mais par contre, il me remet pas mes HP. C'est dommage. Trop greedy, j'ai voulu faire Menepsis. J'ai voulu faire de speedrun, tu vois. Moi, je suis pas Menepsis, moi. Je fais pas de speedrun ni d'historique. Moi, je n'ai pas le talent. J'ai pas le talent pour speedrunner The Candleman. Et je retente quand même parce que l'on a de l'argent. Alors, du coup, droite ou gauche? Ouf. C'était bien Youst. C'était bien Youst. Alors je peux me barrer, je dirais. Mais je vois pas comment faire autrement en fait. Ah si, faut que je monte sur le baril, je pense. Et que je fasse un petit peu, vous savez, ce gag de la bougie sur le baril. Ça y est, c'est clippé. Et on voit Clex comment. Je me prends pour mêler. Non, je me prends pour mêler 6. Non, qu'est-ce que tu dis? Ah, je l'ai pas imité. J'ai pas imité encore Menepsis. J'ai pas fait ce que tu sais. Là, là. Alors, faut quoi? Faut que je me reste un peu là. Voilà, c'est bon. Putain, oui, mais il me projette comme un fils de pute. Ah, oui, en fait, oui, je suis un peu son déplacement. Ah, c'est compliqué. La physique est bizarre sur le tonneau. Mais on va y arriver, surtout que j'en ai raté plein. Faut que je me mette genre là, quoi. Et avec l'élan, voilà, ça passe, c'est un peu nawak. Je les ai même pas vus les deux autres. Bon, bah, c'est pas grave.
on passe. Un autre amant. Ah, d'accord. Quand j'ai chanté la petite chanson, le zizi. Et oui, il dévoile pas la phrase, donc on pourra pas bien comprendre. Est-ce que si je remets les chapitres, j'essaierai de refaire le premier, voir si ça me remet tout allumé, il faut que je reprenne tout. Ah, il y a de l'eau. Ah, j'imagine que je tombe dans l'eau, c'est bien mauvais, bien sûr. Pour une bougie, ça me paraît un petit peu legit de me faire mourir quand je tombe dans l'eau. Ça. Je peux pas monter dessus. Mais où? J'ai l'air de pouvoir, c'est chiant. Il faut que je trouve le chemin. Voilà, il y a une qui est planqué là. Bon, pas très bien planqué. Un petit coup d'œil. Ça, ça fait un spécial. Ah! Ah merde! Ah oui! Ouh, la barre tarderie là. Ah oui, si t'es pas au milieu. Quoi? Pourquoi j'ai de la lumière là? Je sais pas, mais ok, j'ai de la lumière. J'ai eu un petit éclair de lumière. Je suis juste un passage où il y a un volet ou quelque chose qui fait de la lumière. Ok. D'accord. Oui, mais j'ai compris, j'ai compris. C'est creepy en fait. Hein. Ah, il met des petits passages de milieu, on évite les chaînes qui pendouillent. Tout va bien. Hein. Voilà, on va sauter là. Sans trop voir ce qu'on fait, voilà. On s'en doutait. Il y avait la bonne bougie. Moitié à peu près mes points de vie, mes points de mèche rebelle. Je vais aller là-haut. I. Ni. Ah, je vois que là. Ouf. Chaque fois, je crois que je suis large, en fait, pas tant que ça. Hein. Oh, mais il y a des énigmes! What the fuck, quoi! Je suis pas prêt là! Mon cerveau n'est pas prêt! Alors, triangle. B. On va faire ce qui est écrit, hein. Mais je vais voir après en fait. Si là tu vois, je vais voir ce qui se passe, je vais essayer de refaire un des premiers chapitres, voir où ça me met. Mais oui, je. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Captivated by an illuminated new world. He wonders what has brought the abandoned ship back to life. Abandon ship, c'est pas le ponton, c'est le bateau. Abandon. On est dans un bateau avec des livres. Mm-hmm. On va faire chapitre 2 du coup. Alors, je vais juste continuer pour voir. Hein. Voilà. Alors, mettons, je reprenne celui-là. Je vais voir où est-ce que ça me remet. Ouais. Ça se trouve, il est juste derrière moi, tu sais. Regarde-moi ces petits arbres. Regarde-les.
de petits tabacs derrière leur bataille. Je suis trop belle. D'ailleurs, c'est pas celle de l'intro. Eh oui, c'est celle de l'intro quand on la voit devant le miroir. Oh, les futés. Les petits futés. Donc là, il m'en manque plus qu'une. Je sais pas comment je vois. Ah, bah, aux insta. Ah, ouais, non, faut toutes que je les rallume. Je recommence le chapitre. Ouais. C'est. Ah. Oui, là, c'est pas pareil. Faut vraiment que tu. Ouais, que tu superplays le jeu. Et c'est pas genre Metroidvania parce que c'est pas genre t'as des nouvelles capacités qui se pointent après. Ok, ouais, ok, bah c'est celle-là que j'avais ratée. Bah là, je crois qu'après je les avais toutes faites. Hein. C'est celles qui sont. Hi ! Ah non, peut-être pas. J'en avais raté plein ici, j'en avais raté au moins 5 ou 4. J'ai mieux parti. Ok, là, rien de spécial. Pour descendre de l'eau, c'est pas mieux. J'en ai pas oublié. Attends, je sais plus, j'ai un doute, du coup, j'en ai pas oublié là. Tilly. Ils sont chiants Disney, maintenant je l'ai dans la tête. Avec la bougie qui calquait sur Belmondo. Bon, un peu comme moi, mais. Alors, moi c'est la version alpha de Belmondo. La suite du niveau c'est par là. Putain, je peux pousser le truc là-bas. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Parce que c'est pas nécessaire, donc du coup ils te le font pas faire. Ok, là, ça va me faire le petit surplus de plateforme qui me manquait. Et le premier niveau, il cache plein de secrets. Ah, et en plus, voilà, faut que je fasse le rebond parce que il y a l'eau qui est là. Ok, bon bah je pense que. Bon, je vais pas forcément la refaire tous les chapitres, mais maintenant je vais être un peu plus attentif. Et la dernière elle est au bon. Donc on peut, mais faut tout refaire. Et puis c'est pas bête, ça donne une récompense. Luna, ça te fait voir la petite phrase en plus. La petite bougie errait dans un ponton sans comprendre pourquoi elle se brûlait. Ouais, c'est pas non plus des trucs super importants pour l'instant. Non, non, on va faire péter la nouveauté. Baigné de lumière, le ponton revécu. Il est avec cul. Avec un cul. Ok, donc là, c'est fantasmagorique, quoi, tu vois. Il y a des piles de livres, tu vois, c'est le délire. Il y a des Little Flowers de Big Station. Ouais. Mais, c'est-à-dire, là, je saute. D'accord, c'est pas un espèce de reflet chelou du fond du truc. Aller farfouiller sur les côtés, on dirait pas. Hein. Du Fantasmagoria, non, pas du tout. Non. Je sais plus ce que j'ai dit, mais non. Est-ce que les fleurs, je peux les. Ah bon? Non, je peux les toucher. C'est pas quand je les crame, c'est quand je les touche. Bah, je sais pas ce que ça fait. Bon, ça réagit, mais. Faites pas des trucs? Non, bah, faites pas ça. Cet empilement de livres façon ingénieur, c'est pas la poésie. Doki, c'est pas tout à fait la poésie. Et là, par contre, oui. La vite, on se dépêche. C'est pipou, vite, vite. Petite escalope. Faufile-toi comme à la main. Ah, on va rester là pour aller chercher celle qui est en dessous. Oh, attends-moi. Alors, pas question que j'attende. Système d'ascenseur à base de feuilles. Mais oui, c'est tout pipou. C'est un petit peu les textures un peu cracra. Ouais.
c'est quand même vachement propre, la texture sur les pages, là, c'est joli. Hein. Le petit bruit sur les feuilles et tout ça. Et en plus, là, ils font des petites mécaniques de plateforme sympatoches. Ouais, je tente, mais c'est pas une bonne idée, en fait. Là, je vais pas tomber, non, c'est juste ça se racornit. Ça, c'est pas vraiment dangereux. Là, par contre, c'est dangereux, ce que je fais. Parce que je sais pas à quel point ça se racornifie. Ouais, non, bah, en fait, ça sort pas dangereux, du coup. Ah, et après, je pars sur les livres. Putain, qu'est-ce que c'est futé. Quel futisme. Voilà, la petite bougie bonus que voilà. J'en ai pas vu des inaccessibles pour l'instant. Il manque plus qu'une. Il m'en manque plus qu'une, mais j'entends le truc de fin de niveau. Est-ce que je peux faire tomber des bouteilles? Non, ça fait poc poc poc. Pokémon attrapé les tous. Non, je suis coincé. Non. Putain, les mecs. Oh, c'est joli. Je suis coincé, merde. Bon, je me fais cramer la gueule. Avec les lumières qui s'amenuisent, mon dieu, c'est horrible. Il faut que j'aille glitcher les jeux. Même quand je veux pas, je les glitch. Ça va pas, ça. S'exclame, dit le prêtre. Attention, les mecs. Attention. Tu veux faire le petit malin, mais malin, malin et demi. Pas comme un demi à boire. Vite et tchitchou. On se refait tout tranquille, sans rien allumer. Ça, c'est vraiment bien comme mécanique de pas me faire rallumer. Attention, petit cornichon. Où vas-tu mettre ton trou du cul? Il ne doit pas aller ici. Davy Cricket. Ah oui, là. Bon, on va pas derrière les bouteilles, mauvais plan. Bad ID, Mister Bougie. Oh non, c'est une poignée. Il y a le bouton modifié. Il n'y a pas le bouton modifié. Mais là, s'il faut modifier ton capacité à faire de l'ortho, hein, c'est surtout ça. Alors je peux faire Spook. Je vais faire Spook par ici. Ça aussi, c'est les petites mécaniques physiques toutes bêtes. Et c'est nickel. Est-ce que je peux faire tomber cette bouteille par exemple? Non. Très bien. Alors là, ça va me faire sauter. Voilà, ça c'est très simple, hein, vous voyez. Level design tout con, des petits trucs blancs qui s'élèvent, on comprend que ça fait monter en l'air. Bravo, bravo. Ah bon. Ah, la dernière bougie qui est là, bah écoutez. Alors oui, je demande pas mieux, mais... Je n'y arrive pas par contre là. Ah, faut aller d'accord sur la grosse bouteille du milieu, bah, c'est nickel. Est-ce que je peux me casser une patte? Non, je suis une petite bougie. Et voilà le travail. Et voilà le travail. Baigner de lumière un peu dans mes culs. La petite, vous voulez savoir d'où venait la lumière? C'est une nouvelle. En fait, c'est un jeu promo. Pour le prochain album, le Francis Cabrel. Chanson s'appelle Petite Bougie. Petite Bougie sur le pont de bois vermoulu. Putain, c'est stylé. Les angles de caméra, du coup, ça rend bien. Ah ouais, bon oui, tout simple. On me l'offre, celle-ci, c'est cadeau. Pas beaucoup allumé, celle-là. On n'a que 6. Du coup, je vais bien chercher. Attendez, parce que... Petit retour en arrière, on ne sait jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Mahé. On regarde vers le haut, même si là je peux pas orienter la caméra. Il faut faire attention, et quand ça devient sombre, les trucs s'arrêtent donc. Ne nous précipitons pas vers un décès précipité. D'où son nom, hein, se précipiter. Un décès précipité, voilà, vous avez compris. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Là par contre, ça va m'amener en haut ça? Ah, il y a un petit passage, je n'ai pas vu. Allez hop là. De construction en livre et tout. Ça, ah oui, alors là par contre, non. Ça, c'est pas bon. Quand c'est gênant à ce point-là, c'est un peu exagéré. Ça donne un peu le vertige à ma foi. Cette tour de livre, là.
Ah, mais celle-ci, elle compte pas comme une bougie. Ah, c'est vraiment juste une checkpoint, elle. C'est pas une des vraies bougies, d'accord. Alors, le plus pareil, c'est que ça me pousse. Ouais. Bon, là, ça veut dire que c'est pas un niveau à truc caché. Hein. C'est un niveau à skill. J'en suis fort pourvu. Lorsque la brise fut venue, ça devait rien dire du sbat. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Bah, la petite bougie, mais bien sûr. Allez, plus qu'une. Écoutez, ça progresse, ça progresse. Je m'en vais te le speedrunner, ce jeu. T'as jamais vu ça de ta vie. Ah! Bon, ouais, je risque pas de tomber, j'ai juste à attendre. Ok, donc tous les mouvements, c'est les mêmes. La dernière bougie là-haut, la fin du niveau. Rien de bien difficile à côté, c'est juste pour faire joli. Parce que pourrait y avoir quand il fait ça des moments où la dernière feuille au moins tombe vers le bas. Ou... Et se penche complètement, se plie. Voilà. Ça va, c'est le genre de truc à chercher où je ne prends pas trop la tête. C'est pas trop dur. Pas 3000 solutions possibles, il n'y a pas une map géante à la con. Donc ça va. Et voilà, on va encore avoir un petit bout de poème. Ah, une petite cinématique, attention. Ouh, il y a un phare. Tam 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 tam. Ça fait peur. Moi j'ai peur. As he gazes at the beacon in the distance, he makes a decision. He makes, et moi c'est elle. Ah oui, Candle, Candle, ouais. Donc pour eux c'est un garçon quand même. Je sais pas si ça a une importance, mais. If he could become as tall and beautiful. Wow. Ça motive. Perhaps he too could illuminate the dark night. C'est la métaphore parce que si je brûle, tu vois, j'illumine mais je meurs en même temps, tu vois. C'est trop type. Et je crois que là c'est déjà la fin du vrai jeu en fait. Il y a un chapitre en plus, mais je crois qu'on est quasiment à la fin en fait. Là. On a dû faire les deux tiers ou la moitié. Elle vit le phare là. Ouais, ça sert vraiment pas à grand chose de collecter toutes les bougies en réalité. D'où? D'où cette lumière en plus en univers, quoi. D'où? Non, mais Némé, en ce moment, écoute, je sais pas. Hein. Tu es un peu en route là. Trouve-toi une compagnonne de jeu. Parce que là, tu as besoin d'assouvir tes fantasmes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un truc en étoile. On a déjà vu ce système là. Toi bien, on ne chute pas. Pas grand chose, on y va quand même. Tic tac toc, tic tac toc, tic tac toc, tic tac tic tac. Un petit peu. On va tomber comme une crotte. Non, 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 non. C'est le teasing de 1 plus 1. Ah, vous allez voir, ça va être bien. J'ai commencé. Un gant de coquillette peut faire l'affaire. Un gant de coquillette, c'est-à-dire. Un gant rempli de coquillettes, c'est ça? Ah. Gâche pas la nourriture, je suis pas d'accord. Surtout pour ce que Dimé va mettre comme sauce. Hein. Alors, c'est bon. C'est pas de la vraie carbo qu'il met. Hein. Je te le dis, moi. Attendez, c'est que le truc là sort de la bouteille. Je sais pas si ça. Pas. Je croyais que ça m'amenait un truc bonus, mais non. Ah putain. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux gâcher les pâtes? On gâche pas les pâtes. Les pâtes aussi sacrées. It is the sacred. Vous voyez, d'ailleurs, eh bien, ouais, un petit truc bonus, mais genre. Je me doute que c'est pas là, mais après. Non, je peux bloquer après. Parce que là, par exemple, tu vois, non. Non, ok, d'accord. Je... Ah merde, du coup, je me suis coincé. Ah non, attends. Attends, t'as non, arrête. Cesse. Cesse. Ah non. Faut être au collège. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais au collège, Némé? En prison, ouais, plutôt.
Bonsoir, dame Cahouette. Comment ça, petite Cahouette? Attendez, parce qu'il y a ça là. Non. Attention, il y a une énigme de type énigmatique. Soyons concis. Il faut qu'on s'y retrouve. Ok, attends, il y a ça là. À quoi ça sert? On ne sait pas, mais on va le. Voilà. Ça va bien et toi? Tombe pas. Et là, il y a un passage à droite, sauf que celle-là peut nous y aller. Ok, là, ça a l'air d'être plutôt la sortie legit du tableau, là. On va plutôt aller faire fouiller dans les autres endroits. Alors ici, est-ce que ça peut m'emmener en l'air? Je pense que oui. Ouais, je pense que... Attends. Non. Ich, ça marche. Petit café, petit live, bah écoute. Bonjour à toi, oui, parce qu'il y a des pays lointains. La Cahouette ne pousse pas dans vos contrées, oui. Par contre, je reviens comment? Comme ça, tout simplement. Voilà, très bien. Bah écoutez, tout s'est parfaitement passé selon le plan. Ça veut dire que le jeu est bien fait. C'est-à-dire que là, ça c'est du bon game design, level design. Quand ça marche au poil de fion, c'est que tout est bon. C'est cette petite dicton que vous pouvez mettre dans votre vie de tous les jours, ça par exemple. Ah, le collège. Pff, non, mais American Pie, écoutez pas ça. Oh, j'étais déjà au lycée, non? J'ai vidéo pacifique. Oh, c'est beau, oh, poète. Oh, la poète, là, c'est trop beau, vas-y. Ah, vas-y, tu mets ce tourbif, là. Tu mets ce tourbif le canasson, ça veut rien dire, mais je te le dis quand même. C'est vraiment histoire de m'enfiler. Hop. Oui, où ça? Est-ce que je peux revenir? Attends, je vais revenir. J'arrive, famine. Où ça? Ah oui, comme un con. Je n'avais pas eu passer celle-là. Je sais pas, je passais à côté, YOLO. En plus, c'est la dernière. Ça aurait été la dernière. Ah oui, forcément, parce que non, je l'ai pas vu, je suis passé, pif paf pouf, j'étais concentré sur autre chose. Ah oui, par contre, faut le faire en one shot, ça. Ah non, pas tout à fait. Ouf, attends un peu, on va l'assurer. Non, il est franchement pas très dur. Bon, c'est bien, écoutez, je progresse. Petites énigmes qui me font réfléchir, mais pas trop. Petit cerveau, tranquillou. Bah, j'ai pas le décompte. D'accord, une autre cinématique. Strange and dark noises fill the air, but the little candle presses on. D'accord, ok, YOLO. YOLO sur les tuyaux. Rire présent, d'accord. J'ai jamais regardé ça. Hein. C'est l'humour ricain dans tout ce que je déteste le plus. Quoi. C'est vraiment... C'est vraiment pas bon. Je comprends pas, c'est à des années-lumière de ma vie, tu vois, donc je peux pas m'identifier, donc ouais, non. Putain, ouais, ça fait tellement Little Nightmare là. C'est plus métallique là. À la papa pour le papa. Eh oui, écoutez, pour les petits enfants. Moi, ça les stresserait trop. Hein. Parce que avec l'ambiance, ça les mettrait en PLS les miens. Faut pas sauter comme ça. Comment? Mais c'est que ça, c'est même pas. Vous avez pas vu celui-là, moi je l'avais trouvé. Parce que je suis un BG. Alors j'hésite à remonter. Je veux pas continuer tout de suite, j'ai l'impression que c'est la suite du niveau. Ouf. Là vous voyez, là je... Non, y a rien de bonus. Si, regardez. Ah, plot twist. Plot twist de la gibou. Bien caché. Bonsoir, Casablanca. Je sais pas si on t'a déjà sorti ça, Casablanca. Un petit Jean-Claude Titan convenant. Il y a un truc là qui t'a fait ça. Non, c'est pour le décor, mais bon, on va faire un spécial, ok.
plateforme pétrolière du coup. On va d'abord aller voir là, voilà. Déjà sorti avant, je me dis aussi. Le bon truc, on connaît bien. Voilà. Les bonnes énigmes à papa, elle aussi. Rien de bien compliqué, on attend gentiment. On ne se laisse pas impressionner. On est une bougie. Certes, on a peur du feu pour cramer, mais on maîtrise aussi. Oh, il y en a eu pire après. Hein. Oui, c'est français, non. Je savais pas lui. Un seul qui m'avait bizarrement fait rigoler. C'était le premier Scary Movie, je crois. Là, je vais brûler. Ah oui, voilà. Ah, saute. Bon, madame. Oh, ça fait chauffer. Ah, oui, mais oui. Bah oui, mais oui, mais comment alors? Bah, les tuches et tout ça. Non, les tuches, c'est pas le même genre de truc avec moi. Bah non, on a notre propre catégorie d'American Pie, c'est le Christian Clavier d'univers. Là, vous voyez, ça se met en vue de profil comme l'Atma Créature et c'est déjà moins agréable. Il faut se repérer aux petites traits de fumée. On dirait pas que ça tombe sur moi, en fait. Ça se refroidit après, quoi. Non, faut vraiment juste... Ça a du chaud. Faut attendre un peu, quand même. C'est plus prudent, mais on se dépêche, ouais. Ah ouais, là ça devient tendu. Oh merde. Ah oui, ça se fait chauffer si je me dépêche pas. Ok. Je pense au film justement avec les pattes. Je sais que c'était français, bien plus pour évoquer. C'est carrément j'ai vu, c'était tout. Ouais. Oh ma mère, ouais, pff, on se souvient plus trop. Même loin, hein, j'ai bien conscience que c'était un peu mal. Ah oui, allez, il faut attendre que ça se penche pour se cacher derrière l'espèce de. J'en suis à combien? J'ai tout, on peut y aller. Ça aussi, c'est le classique, c'est large. On est bon. Un pas vide. Un pas vide? Il y en a un qui est plein, il y en a un qui est pas vide? Je ne sais pas. La porte lourde par le gouvernail, ok. Lourde par le gouvernail. Je m'en souviens même plus. Alors, ça fait bouger les chaînes. Est-ce que je peux le faire bouger moi-même? J'ai l'impression que oui. Ouais, mais c'est tellement gras. Putain, même Bigard, il fait pire. Ah oui, le gouvernail et tout. Du coup, non, faut que je le pousse par là. Allez, fière petite bougie. Décuple ta force. You have to believe, little bougie. Quelle histoire des pattes, Némé? Bah oui, parce que Némé, il garde ses secrets pour lui, bah parce qu'il le fait. Bon, ouais, Némé, hein, si tu m'invites à manger chez toi, tu me fais pas des pattes. Par contre, je te préviens, je vais être mort de rire. Putain, j'ai la parano maintenant. Il va me faire des pâtes carbo, je vais être là, je vais pas vouloir y toucher. Ah bah c'est de ta faute, bébé. Ça c'est un. Tu veux faire le marin? Un marin, marin demi. Hop, je le savais. Qu'il y en avait une là, c'est trop gros, il y avait trop d'objets là. Ça se voyait. Mais je peux jamais passer, ça s'arrête jamais? Non, ça penche jamais. Ah merde. C'est qu'il faut que j'aille remettre. Oui, mais. Ouais, il va y avoir un gouvernail à actionner quelque part. Ah, il est là, ok. Donc on va le tourner. Alors attends, il y a des dessins, ouais. Celui-là aussi. Allumer là-bas, bon, on va y aller tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. Bon. C'est bon, ils sont moins bien cachés qu'au début. C'est bizarre, il y en a moins, ils sont moins cachés. D'accord.
je peux passer. Mais quoi ça sert que je passe là? Ah, mais faut que j'aille genre. Ah, tiens. Pour faire l'énigme de la porte. Ok, c'est un peu plus velu. C'est comme tout à l'heure, mais c'est mieux caché. C'est pas juste devant, quoi. Oh, on a vu que c'était. Alors, rond, triangle, carré. Le rond est là-bas, donc il faut que je pousse ça. Plutôt. Attends. Si je penche par là. Voilà. Normalement, ça devrait être ça. Est-ce que ça s'est penché? C'est dommage. Voilà, si on voit que le truc là-bas, il est plus sous le chauffage. Tout va bien. L'accent de Clex. À l'écrit, c'est dur. Hein. Je viens de faire des petits tutes à qui y a des. On dira des nouvelles. Ah bah oui. Ah bah comme ça. Ah bah Clex 3D. Ah bah oui. On aime bien. Ah oui. Alors, rond. Cette petite chaîne que je sais pas trop comment faire, dans quel sens il faudrait plutôt. Encore, c'est pas tôt. Tagliatelle. Bien penché, bien on puisse accéder. Voilà. Scène du sud, la scène de la course. Moi je connais l'accent de Clex. Par contre, j'ai. Alors je suis passé en dessous, c'était pas évident, j'ai foncé mais. Je sais bien le faire aussi. Toutes les cordes à mon arc. Écoutez, Tex a été renvoyé. Il y a une place pour moi. Je n'hésite pas à faire voir si jamais un recruteur de France Télévisions passe. Parce que voilà, j'ai échoué au concours Shadow hein, pour ceux qui ont un peu suivi. Et du coup, j'ai vu un peu ceux qui ont été nominés. Comment dire que j'avais aucune chance, quoi. Comment dire que j'avais juste aucune fucking chance. J'ai été voir vite fait hein, sur les streamers que j'ai vus. J'en ai vu 4. Les 4, c'est PUBG, Fortnite, LOL. Soit les 3, soit un des jeux. Enfin voilà. Et c'est tous des petits jeunes de 27 ans maxi, quoi. Et des beaux gosses, bien sûr. Et des mecs qui sont déjà partenaires Twitch et tout. Enfin voilà, c'est pas vraiment un concours pour les jeunes. Enfin, les jeunes talents. Pour ceux qui n'ont pas trop de visibilité, c'est non. La larmanie. Qu'est-ce que c'est que cet horaire? Ouverture de porte. Mon petit Méné, qui est un petit peu la lumière de la communauté, parce qu'il brille comme ça là, depuis sa Belgique natale, n'est-ce pas? Il est là pour le speedrun, pour le let's play, pour le super play, je voulais dire. Pour les easter eggs, il est là. Tu aurais dû gagner. Ouais, non mais. Tu vois ce qu'ils font, ils ont joué la sécurité. Je peux comprendre, les mecs recrutent une équipe pour leur première année, c'est une petite start-up. Mais en plus, c'est tellement l'esprit start-up, les mecs, tu les vois, mais... Genre, il y a Guillaume de Guillaume Tech, là. Le mec, il a déjà, je sais pas combien d'abonnés sur YouTube. Enfin, il est déjà... Il a pas besoin d'une mise en avant pareille. Mais bon, bah, il connaît un peu les mecs. Et puis, effectivement, il est bon, mais... J'avais compris que c'était un peu pour les nouveaux, entre guillemets, quoi. L'Armagnac, non mais je connais l'Armagnac, hein. C'est juste que c'est la recette elle-même qui me foutait de l'alcool dans un plat, c'est pas possible. Mais oui. Comme Méné, on ne voit pas non plus très souvent. L'hélice ne l'empêchait pas de se partir. La petite bougie qu'on a dit à la place de... qui est faite à partir de gras d'huile de caribou farci. Tout à fait. Premier truc qu'on fait, on va voir la petite cachette derrière nous. S'il n'y a pas une petite bougie gratos qui se cache.
passage là. La caméra me le fait pas voir. C'est donc que non. Oui, non, mais de toute façon, du grave. J'enchaîne, Ménépsis style, jeu speedrun. Ouais, ça devient un peu dangereux quand même. Ça me brûle, ça me brûle. Ah ouais, je vois rien, voilà. Alors attention. Ah, je suis pas tombé. Ça si je... Ah oui, mais je peux pas remonter, merde. Attends, mais... Ah mais il fallait tomber, mais j'ai raté la gibou. Ah tant pis. On voit que dalle. Attention, tu vas brûler, petite bougie. Je vais être entre les deux, voilà, c'est chaud. Pourquoi je viens là, en fait? Y'a rien. Ah non, mais je pouvais tomber de là. Mais il y avait encore une bougie. Bah oui, d'accord, oui. C'est un peu anxiogène tout d'un coup, là. Ça devient un peu dangereux. Bougie pour ça. Nos mèches. En fait, faut rester entre les deux tuyaux, ça te fait une espèce de safety, tu vois. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On part sur un Ménépsis run. Oh, allez, on... On a Blue, ouais, c'est Blue. Le problème, c'est que la vue se met de profil comme Little Nightmare et comme Little Nightmare, on se vaut. World record sur Bougieman. Pas, non, Candleman, pas Bougieman, c'est Bougieman. Allez, on va, du coup, on va pouvoir se refaire la bougie qu'on avait ratée tout à l'heure. Et en plus, il y a moyen de le speedrunner en tombant, là, il va y avoir des... Et pas de speedrunner comme le prénom. Ah, le speedrunner des musclés, t'as compris? Ça, c'est drôle. Méné, il a compris, celle-là. Ah oui, mais du coup... Ah oui, là, je retombe, ok. Bon, j'en ai quand même raté une, par contre. Ouais, je peux pas tout avoir. J'ai l'impression qu'il faut que je meure pour les toutes les avoir, celle-ci. En un seul run, j'ai pas l'impression que ce soit... Non, ça va pas passer, ça passe, c'est le GG. Chez l'ouest de la France Runner. Parce qu'il faut mettre son pays. S'il faut mettre Mexican Runner. Oh putain. Non, c'est chiant, on voit pas là, on voit pas. Speedrunner. BMV. Ah si, il l'a fait vraiment la blague? Ok, d'accord. Peut-être un passage secret, peut-être. C'est vrai que c'est assez évident, speedrunner. En français, c'est la bonne vanne que tu fais instinctivement, j'ai envie de dire. Ah, la vue de profil est pas top, cette vue-là elle est bien, mais dès que ça s'éloigne et que ça passe de profil... On va aller chercher celle-là, là-bas. Ah, sans tomber, parce qu'on a le skill, parce qu'on a le talent. Tibidi, ti, tibidi, bidou. Ah, ça coule, Raoul. On attend gentiment que les flammes s'éteignent. Donc s'il y a moyen de tout avoir. C'est que tout à l'heure j'ai pris un chemin un peu détourné. Détourné de la vérité. Même le son, hein, y a du bon sound design, putain. On attend un peu. Combien il me reste une? On y va. Attends, je vois rien du tout. Ok, c'est ça. Ouais, en fait, faut carrément que je l'évite. Je vois rien. Ouais, si, ça y est, je vois. Hop. Ouais, ça se voit bien dans le nouille. Oui, on arrive quand même à voir à peu près où vont tomber les flammes, mine de rien, c'est... Mec, c'est un futé, hein. C'est les petits futés. Hein. On a déjà tout allumé, ça c'est le checkpoint. Ok... Ne me demandez pas... Ah, c'est qu'on est sur... Ouais, par contre la caméra, là... Holy fuck. Ça va être chaud. Ça va être chaud de la chaleur. Qu'est-ce que je dois faire? Ah! Comme un lumineux dans le noir, tu peux le voir. Je m'attendais pas à ce que...
Ça va être tendu là. Plateforme, caméra, attention là. Ça devient peut-être un peu trop. Ouais. Avec les caméras, je suis pas convaincu là, mais. Allez, c'est parti pour le passage de plateforme. Attention, le. J'ai envie d'appeler ça le passage Nathan Drake. Vous voyez ? C'est le passage Uncharted. Mauvaise perception des distances, vous voyez. J'avais pas l'impression d'être contre le tuyau, mais en fait, si. C'est le Dark Souls des jeux de bougies. Mais non, il faut le faire. Les bonnes blagues sont celles qui sont les meilleures. Tu as compris ? À droite ? Ouais, peut-être. Ah oui, t'as raison. C'est que tout à l'heure, comme j'ai réussi à monter sur le tuyau, du coup, comme il y a des flammes qui te font, qui t'invitent à essayer, mais t'as raison, c'est moi qui me prends la tête. Je me t'ai dit qu'il y avait forcément une épreuve, tu vois, qu'il fallait... Ah, vite. Eh bien, la caméra m'aide pas, là. Ah, je suis presque mort. Il y a un tourbillon. Je vois rien, je vois rien. Ok. Ah, non, attendez. Je ne sais pas, je... Je vois rien du tout. C'est tendu. Encore un tourbillon. Et je vais bientôt crever. J'aurai plus de lumière, je vais faire l'aveugle. It's ok. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Oui, ça passe, c'est le GG. Là, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ich, 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 on reprend, on sait jamais. Ah, me chauffe les poils du fion. On va quand même se placer là, je ne vois pas. Je peux pas allumer sinon je meurs en fait. Ah, il va falloir passer, on va sortir du bateau. Ça se fait tout seul. Fouf. Fouf. C'était juste. Hein. Mais c'est la première fois du jeu où faut que je fasse vraiment gaffe à la consommation de ma mèche. Parce qu'en réalité, en faisant des petits coups, tu passes tranquille partout. Tu peux même explorer. Donc ça va. Rien ne l'empêchera de partir pour le phare. Et là, le phare, je crois que c'est le dernier chapitre. Monde extérieur, peut-être pas. Dans la forêt, luisaient les champignons. Comme sur les moignons de Ben Maman. Il y avait aussi des champignons, parce que c'était pas tout à fait bien cautérisé. Donc ça, ça poussait, quoi. Voilà, c'était... Ouh. With the abandoned ship behind him, on va changer un peu d'environnement. C'est bien. C'est cinématique, c'est philosophique, c'est dit. An exotic land awaits up ahead, lush and full of wonders. C'est très le lush et full of wonders. That lie hidden beneath its beauty. On va peut-être commencer à devenir un peu plus galère du coup pour gérer la durée de vie de ma petite bougie. Okay, petit chemin. Ouh là, ok. Allez, là, ça devient chaud. Je veux tout le temps, je veux allumer tout le temps, laisse-moi allumer. Iiii, oh, what the papo. C'est le son que fait la bougie. Bon, il y a sûrement mille et un. Là, du coup, la map, ouais, ça fait très cubique, mais dans un bateau, ça passe, dans une forêt, soi-disant. J'ai toutes les plateformes en petits cubes, là. C'est moyen. Ça marche un peu moins, je trouve. Un peu plus jeu vidéo que... à l'heure, bon, on était dans un bateau, ouais, on voyait pas grand chose, mais c'était normal que ce soit un peu géométrique, tu vois, là. Il y en a une ou pas? Non, c'est quoi ça? Ah non, c'est un petit... Ah, mais je suis en train de tout cramer, là. Ploc, ploc. Mort dans une flaque de pisse, quoi. Une flasque de pique... Une flaque de pisse de bouc. Laissez-moi faire mes petites phrases. J'ai le droit de me trompette. Donc là, il y a un secret, il y a un secret, il y a un easter egg. Là, j'ai eu très envie de le faire, mais je te cache pas. J'ai eu envie de t'imiter, voilà. J'ai envie de faire... On joue, c'est l'Epsis. On se retrouve pour le vélo easter egg. Ah merde, ça me tue. Les cactus tuent les bougies, donc. D'accord. Bon, je pense que ça avait l'air d'un truc un peu friendly, tu vois, c'était jaune et tout, c'était... Non.
Bon bah non. Do not touch the cacotus. Même si vous êtes fait de cire, mes cire, ne vous fricotez pas au cacotus. Mais on voit rien, je sais que c'est le concept du jeu, mais là, c'est chiant. Non, c'est une casquette, mais non, j'ai pas de casquette, je suis une petite bougie, je mets une casquette, je meurs. Ou je la brûle. T'as la petite flaque là, c'est Tarba quand même. On va y aller en mode go, quoi. En mode Pokémon Go Everyday, quoi. Les petits flashs, hein, si vous êtes épileptique, je vous dédicace ce let's play. Non. J'ai une bougie, puis je suis pas Mario, hein. Moi je suis Candleman. Bien sûr que c'est bien baisse. Alors après, c'est pas toujours très fiable. Il y a beaucoup de plantages. Un tempestif, ouais. Ça cache pas qu'il y en a eu qu'on est. Puis le problème, c'est qu'OBS, tu peux pas différencier les sources audio. Enfin, peut-être qu'avec le studio, je sais pas. En gros, t'as tout le son qui sort d'un bloc. Le jeu, si je mets de la musique, tout sort sur la réglette de son. Son du bureau, quoi. Donc il y a sûrement des plugins qui existent hein, pour changer ça, mais je sais pas faire. Là, ton son de. Donc c'est de se voir. Voilà. Oh, c'est Space. Allez, ça fait. Ah non, c'est. Non, ils réagissent à la lumière, pas à la plante, ok. Putain, mais je vois rien, je suis en train de gaspiller tous mes trucs là. En train de gaspiller toute ma life là. Pour une pauvre bougie de marde. On va se repérer aux petites plantes. Vous avez jamais vu un let's play d'une telle qualité. Bien paramétré-vous, hein, oui. Ah bah pourtant Action, c'est vrai que je m'en suis servi un long moment Action, j'avais acheté. Le logiciel japonais qui marchait pas mal, mine de rien. C'est vrai qu'il était cool à l'époque où ça valait. Faire des captures, c'était encore là. Il fallait acheter un logiciel ou Fraps. Le bon Fraps qui a rendu des services quand même parce que c'était un des rares à capturer. Mais oui, OBS, il est quand même cool. Hein. Voilà. Puis c'est gratuit, quoi, merde. Ah bah j'ai tout chopé. Bah let's go. Qu'est-ce que je m'en viens là. On se casse de là, les enfants. On se casse de là. Ah oui, et bah bien sûr, craquer. Non, ouais, non, effectivement, il était vite nettoyé. Ah, 60 FPS, OBS, bah ça dépend de ton PC, de ton processeur. Mais... Go, go 60 FPS pour enregistrer sur ton PC. Normalement, tu peux. C'est moins processeur, moins mangeur de processeur que le stream. Bah ouais, c'est vrai que ça a apporté tout le monde, hein. Même streamer, OBS Studio, il est pas facile à configurer, il est pas évident, mais. Mais ouais. Ça nous permet de faire un de plus un live. Vendredi prochain à 20h sur ma chaîne avec Monsieur Pamama. Et oui, un petit peu de publicité. Mais ça me tue, je pense. Ah, mais ouais, le gros problème, ça reste les bugs. Je capture plus le bureau, c'est-à-dire. Ah, tu veux dire genre l'écran, quoi, tel quel ? Ouais, me frappe, c'est bon. Faisait des fichiers monstrueusement gros là, ça va. Bah, c'est autre chose. Ah, c'est chaud là, putain. Moindre coup de lumière, ça y est, je suis en danger. Là, c'est pas mal. Enfin, j'ai l'impression d'être en danger parce qu'en réalité, je suis plutôt tranquille. Il passe à travers le bloc. Ah, bah, de toute façon, je sais pas comment ils s'y prennent, Twitch, mais ouais. Il y a des pubs qui vont vous passer entre votre adblock. Moi, putain, c'est chaud. Hey, je suis obligé de laisser le truc s'éteindre. C'est futé quand même. Ah merde. Faut bien. Ah non, tu veux dire moi qui fais la pub. D'accord. Eh, mais ça c'est de la pub in stream, tu vois, tu peux pas la bloquer ça. J'entends un bruit de quelqu'un qui marche là. Je suis poursuivi, oh ça me fait peur. Heureux, à tout à l'heure si tu reviens. Encore 3.
Ah, faut pas allumer sinon tu crèves. Un bleu non des Uber, ouais. Ça va bitcher sur Nintendo là, ben, je vous cache pas. Mais là, si je retombe, je recommence, non ? Oh merde. Ça a glissé, j'ai pas vu, je regardais le décor. Je sais pas trop. J'ai l'impression que je reviens d'où je viens, mais non, peut-être pas. Je vais voir ce que c'est que ce bruit là. On va parler Nintendo Labo, on va revenir sur Monster Hunter, je pense, les grosses sorties qui ont eu lieu là. Il y a eu les résultats financiers de Sony, ça qui sont sortis. Ah, il y a eu du gros le report de Red Dead 2. Le report d'Anthem aussi. Qui n'en est pas un, MDR. Bref, bref. Et alors à la fin du 1 plus 1, il y aura un petit moment pour vous. Alors je pense au début ce sera que des questions sur le chat. Et peut-être après via le Discord, quand on sentira, est-ce que c'est chiant toujours en live, c'est pas toujours facile. Hein. Paramètres. Ah bah les deux dernières sont là, écoutez, c'est le cadeau. Eh ben on se casse, écoutez. Voilà. Par contre, il est vendu ce jeu-là 14€, genre en solde, genre à 15€ normalement. Bon, ah, il est pas si court que ça, meuf. Oh, une heure de jeu, mais c'est pas si que ça. Et on approche, je pense que la fin ce sera dans le phare. Et le marché joyeusement sur la vigne. Bon, pélo, pélo. Bon, pélo, pélo. Oui, c'est un petit plateforme mignon pour un premier jeu, c'est pas mal, hein. Non, puis le sound design est soigné, et ça c'est important, moi je trouve. Pas toujours le cas sur les petits jeux, souvent c'est le minimum syndical, et là ça va très bien. Voilà, bon, la partie dans la nature marche un peu moins bien que celle sur le bateau, même s'il y a des éléments de gameplay quand même qu'il n'y avait pas. Alors ils font des efforts, non, c'est très bien, ça devient un peu plus, faut faire attention, faut pas glisser. Ouais, mais tu vois, le son marchait mieux sur le bateau, le côté anxiogène flippant là, bon, c'est pas assez joli pour être féerique en fait. Attendez, c'est qu'il y en a peut-être une autre avant là. Pas spécialement, famille, il y a eu des news le mois dernier. C'est surtout ça qu'on fait, on va revenir sur ce qui s'est passé le mois dernier. Enfin, dans le mois de janvier, début février quoi. Tu pourrais pas dire, de toute façon c'était. Non, 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 mais il y aura le replay, tu penses bien. Je pensais faire un montage, mais je crois que je mettrai tel quel le replay. Mais on va essayer de pas faire durer trop longtemps le truc. Une heure maximum. Pas deux heures, parce qu'après. J'aimerais bien que les gens viennent le voir aussi sur YouTube. Parce que je pense que ça marche. Mais oui, au final, le live, on n'a rien à monter et tout. C'est pas plus mal. Tour de série B, mais j'ai pas le temps. Mais c'est si j'avais un mécène, si on avait un Tipeee, si on avait de l'argent, je passerais mon temps à mater des séries. Même si je sais même pas si moi, je serais capable psychologiquement de. Ah, mais Balzi, elle serait. Oh merde! Putain, j'ai appuyé un peu trop fort, Baldi, elle serait chaude. Puis Némé, ah, je sais pas, Némé, si elle est chaude, Némé, peut-être il nous snob, il va faire des podcasts avec d'autres gens, j'ai vu ça il y a quelques temps, monsieur Siri, je sais pas quoi, donc voilà, on de la crotte, tu comprends. Il a oublié d'où il vient, quoi. Il oublie ses racines, il va voir les famous, quoi. Alors, on voit, Siri, on payait pas assez, tout simplement. Mais je comprends. Là, comment je vais faire? Il faut sauter là. Tac, oui, on comprend immédiatement, c'est un jeu qui est bien fait, c'est pas comme Remothered. Enfin, c'est pas les mêmes enjeux, mais même. Si, c'est même encore plus compliqué, là, il y a zéro dialogue, zéro truc objectif, voilà. Il y a un seul chemin, certes. Il faut le trouver. Moi, je le connais pas, non, mais toi, évidemment. Ah, là, on voit rien, en plus, la caméra est presque en dessous, là. De toute façon, Méné, à part Monsieur MV Caster et The Chicanos Runner, je sais pas quoi là, on peut plus te parler. The Tacos Runner, un peu de racisme, tu connais rien. C'est le speedrun du speedrun. Que pète. Y'a que pète. Rien d'autre ne compte pour le Méné.
Eh oui, non, mais de toute façon, c'est ça. Si on te dit pas bonjour et ni pour cent, tu réponds pas. Si on n'est pas là, ouais, t'as quelle strat et tout, non, ils s'en foutent. Glitch ou pas glitch, c'est pour te dire si tu veux un café ou un déca. Là. Parce que sinon, il connaît même plus les mots de la langue française. Hein. Ouais, alors là, j'ai un gros problème là par contre. Là. Ouais. Ah ben ça joue, si. Là, mais je rigole, mais les spices. Faut juste pas allumer la lumière. Hop. C'est chaud les sauts à l'aveugle là. Bon, ça va, ils sont pas trop exigeants. Où est-ce qu'on a des bougies? Bon, à tout trouver encore. Allez, ça tabasse. Un petit demi-tour classique. Enfin, un petit tour complet classique, quoi. Et bah, je suis content. Est-ce qu'ils y éclexent avec Benzi? Ouais, ouais, c'est vrai, ça. Vous nous voyez plus bêtes, mais les mecs, au bout d'un moment. Non, mais aimé, ne retourne pas ça contre nous. Hein, t'es comme ça avec Monsieur Siri ou je sais pas qui. Voilà, lui, il a un, c'est pas lui qui a un avatar de Derek à un moment, et toi de Dexter. Voilà, c'est les mêmes blagues, nous, on n'existe plus. Balzi, elle a dû se retirer d'Internet, elle est en dépression. Alors, soi-disant, on s'occupe d'un enfant, je sais pas quoi. Bon, ça, on sait, c'est des fausses raisons. Bon, ça, c'est faux. La pauvre chite. La pauvre chite, Mme Balzi. Qui fait plus trop sur son blog, Mme Balzi, si tu regardes le replay, attention. Hein? Ou alors c'est moi qui suis plus trop ce que tu dis sur le blog, mais... C'est pas une excuse d'avoir un enfant. C'est pas une excuse. Alors il y a peut-être un moyen de monter. Non, je pense que là, je pense pas qu'ils auraient mis une bougie. Non, j'aurais pas le temps de toute façon. Redamukabuette. Comment ça va? Tu as été chercher quoi? Un petit truc à boire. Faire un petit pipi matinal parce que j'ai dossé le matin. N'oublie pas. En Nouvelle-Calédonie, lol. Ah, c'est la connexion. La bonne blague de la nouvelle Calédonie. Calédonie. Oh fuck, oh. Ça tombe ça maintenant. Allez. Ça speedrun. Pim pam poum. Alors quand je fais ça, Ok. D'accord. Ah mais là, faut que je fasse gaffe. C'est chaud parce que ce m'oblige à me gaspiller ma petite mèche. Enfin, de ma cire, quoi. C'est ridicule, c'est pas monsieur, ça. La Colombo, ah, excuse-moi. Non, mais voilà, tu vois, moi je connais pas, mais toi, là. La nouvelle Calédonie. Genre. Ça, Vélé, fais pas genre. Ah, ouais, là, c'est chaud, là. Ah, oui, là, c'est tendu. Parce qu'il va falloir que, quand même, que j'allume une bougie. Il faut que je mémorise. Ah, putain, c'est tendu! Ah la vache, ouais. Putain, c'est vachement bien pensé ça. Le problème c'est que... Oh fuck, celui-là il est invisible. Ah là, le stress. Putain, regardez là. Ah, il m'en manque une. Bah tant pis, hein, vous savez quoi, la flemme. Qu'avait dit François Hollande, oh il avait mal prononcé. Je pense pas. Il est gros, il pense qu'à bouffer MDR. Vous voyez, je fais des blagues pour les grosses têtes, Cherokee. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'énerve parce qu'elle trouve pas son chemin. D'accord. Un fut ridé comme Lord Mater. Eh oui, parce qu'il est vieux. Chapitre 5, mère exceptionnellement calme. Le titre du chapitre, c'est le bulletin de la météo. Rigolez bien avec Hollande. Ouais, non, enfin, on rigole pas plus avec Macron, mais. Non, t'inquiète, c'est un futé. Ça monte de temps en temps. Ça fait quoi si je touche? Ça fait rien si je saute dessus. Ça fait rien, d'accord, très bien. Ah, plouf, bili boum, you missed a bougie, ben ouais, je sais. Mais la flemme là, c'était chiant, je suis pas content.
fait ce qu'il peut, écoute. Ça a dû être Bagdad. Ils s'en battent les couilles avec Calédonie, hein, désolé, hein, mais je pense qu'ils s'en battent les couilles, les militaires. Enfin, les Français, juste parce qu'il y a des militaires, je veux dire, ils s'en occupent un peu. Mais parce qu'on a une base là-bas, mais sinon... Je suis pas sûr que ça les passionne. Bon, là, il y a juste à attendre que les plateformes pop pour l'instant. Bagdad ou Baguette, non. Oh là, attention, j'allais dire que l'ex-3D, mais non. Qu'est-ce que j'ai failli dire comme bêtise? Tu l'auras entendu, l'autre. Oui, tu m'appelles Manepsis, s'il te plaît. Moi, je suis que l'ex-3D, c'est pas moi, c'est pas lui. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Faut anti-slipper. Anti-slip. Hop, voilà. Et ça se fait. Et ça se fait très bien. Et ça enchaîne, mon petit père. Hop, voilà. Ça fait zbluff, ça fait jbouif, ça fait jblat, tapli, taplouf. Un petit coup de light pour voir où on en est. On enchaîne, tralala, tralala. C'est un paradis fiscal, ah bah voilà. La France, mesdames, messieurs, la France. Attendez, je sais pas où je suis, mais je veux pas aller à la sortie déjà. Il me manque une bougie, je crois. Ah, elle est là. Attends, n'y va pas tout de suite, n'y va pas tout de suite. Oh, il m'en manque à 3. Bon, je vais aller voir, mais je n'arrive pas. Parce qu'il aime pas les compliments. Ah ouais, mais je sais pas où sont les autres, moi. Crotte. Ah, c'est un compliment d'être, de se faire appeler Ménipsis. Ça va, bravo. Bravo les chevilles. Le melon. Prostate. Les mollets. Ah non, les mollets, ça marche pas. Oui, là, je fais la flemme des bougies. Écoutez, vous vraiment. Elle faisait la navette entre les rochers. Qu'est-ce qu'elle aime bien rigoler. C'est bâtard le petit virage là, regarde-moi ça. Là. Ok. Les plateformes qui bougent, pour l'instant rien de foufou. Galère à faire animer ces plateformes mouvantes, mais c'est quand même plutôt chatoyant. Merde, moi je trouve que ça chatoye. Les plateformes se touchent bien, voilà, ça j'aime bien. Je suis plus en sécurité quand les plateformes mouvantes comme ça vont bien jusqu'au contact. Voilà, pas sur le rocher, mais c'est pas grave. Attention. Oui, alors l'épisode de DB super, mais c'est demain que ça. Enfin, c'est dispo demain. De sous-titrer en anglais. Ah ah, c'est le bruit de la bougie en route que vous devez connaître, que vous avez vu en SVT normalement dans vos jeunes années. Enfin, jeunes années. Ah, ah, pas si jeune que ça, parce que vous êtes jeune et moi je suis vieux. Attends, te précipite pas, jeune farfalé. Ok, là il y a moult méduses. J'appelle juste des méduses, hein. On peut le dire. On peut le dire en toute. Voilà. Ah oui, il faut que je remonte le flow de méduses. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce BG. Oui. On dirait Manu Bahama un peu. Manu Bahama, il sait bien faire ça. Quoi, dragon machin, quoi, quoi, quoi. Hein. Putain, mais c'est beau. Salut Heather! Vous avez pas dû entendre, vous avez dû. Non, vous avez dû voir le cri en rude de la bougie en SVT, j'ai dit. Eh ben, c'est Candleman, on regarde le titre du live. Heather Vrit, alors. Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Je ne suis pas fier de toi. La fierté n'est pas présente. Et je tombe. Like a shit. Like a little shit. Parce que je prononce pas assez bien, ça fait trop de bruit, c'est ça. Pas assez bien pour vous, ma diction. Faites pas de... Ah, mais il y en avait une là, tout au bout, évidemment. Alors, on va pouvoir toutes les faire. Ouais, faut mieux crever, à la limite, ça va plus vite. Parce que comme les bougies restent allumées... Hein, bon, comme il n'y a pas l'air d'avoir de score. Mais... Qui sortait demain en sous-titré. Ah, Dragon Ball Super!
Ah, pardon, ah oui, j'ai parlé de ça, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, DB Super qui sort en sous-titré sur le YouTube. Je sais pas comment ça se fait que la Toei laisse passer ça sur YouTube. Il y a des dizaines et des dizaines de Dragon Ball Super traduits en sous-titrant ce que tu veux. Français, espagnol, italien, tout y est. Alors, je dis pas que ça reste longtemps en ligne, mais bah, tu le trouves sur YouTube direct. Je trouve ça fou. Parce que quand même, il y avait eu ces derniers temps, dernières années, ils faisaient un peu attention au copyright, quoi. Bah là, non. Tu trouves ton DB Super. À loisir, comme tu veux. Ah, parce que Némé, il aime bien Dragon Ball Super. Il aime bien, il se met sa petite coiffure le matin. En Super Saiyan, il dit, ouais, je suis un Super Saiyan, il dit. Et moi, je lui dis, non, Némé, tu n'es pas un Super Saiyan. Il me dit, si, bah t'es, je tombe dans l'eau, oui. Fait chauffer des steaks de cet homme. D'accord. Écoute, les bons petits steaks, c'est bon ça les steaks. Ah non, c'était pas une allusion sexuelle, genre je fais chauffer des steaks. Voilà. Critique, c'est tout. Mais moi aussi, mais honnêtement, c'est une sorte de, voilà, de curiosité malsaine pour dire du mal. Voilà. Si tu veux vraiment, c'est juste voir à quel niveau de ridicule ça va tomber, quoi. Quelle nouvelle erreur narrative ils vont faire? Quelle stupidité vont faire subir à un personnage? C'est vrai qu'il y a beaucoup de modos, hein. Je devrais peut-être enlever Kaweth, Mene aussi. Ouais, non, je vais faire le ménage. Ah bah moi ça me l'a fait aussi, j'ai bossé, c'était en usine, c'était des melons, je pouvais plus les voir en peinture. Ah je suis là. Oh. Ah ça c'est nouveau. Ok. Ah oui, il y a des petites flèches, vous voyez? Ah mais je navigue. Ah mais c'est chaud parce que. Eh ben. Gaspiller comme un con là. Attends, je suis en train de trop cramer la bougie, je sais pas. Hi. Là par contre, ça vient tendu. Parce que là, faut que je sois plus économe. J'avais pas compris, je croyais que je gardais sur la même fleur et qu'après je me naviguais avec la même, mais non en fait. Mais je vais jamais arriver au bout. Mais non, c'est ça, on peut faire les diagonales aussi. Ah, c'est bien pensé cette merde. Enlever texte. Voilà, on va sauvegarder ici. Ouais, mais là, je sauvegarde avec. C'est peut-être pas une bonne idée de sauvegarder en fait. J'en ai jamais assez, quoi. Là, le but, c'est vraiment de finir le niveau vite. Parce que même plus envie d'allumer les bougies en réalité. Je le fais quand même, parce que je suis un gamer. Ah merde. Ouais, mais là ils vont me remettre à la save point. Et ils m'ont pas rechargé. L'aspalais, ça a été viré de quoi? Attends, je veux juste quitter. Voilà, je vais le refaire depuis le début parce que. Je me lasse vite de quoi du jeu? Non, c'est pas, je me lasse pas du jeu, c'est que. Je m'étais trompé, je vais recommencer parce que du coup, ça va pas. Et là, en fait, c'est juste pour m'expliquer les subtilités, mais j'ai pas besoin de gaspiller. Donc, on ne gaspille pas, on va à pied. Oh, je suis bientôt à la fin, tranquille. C'est dommage, je préférais la partie au début, ouais, c'est vrai que. Voilà. C'est vrai. Je vais manger des crêpes, j'en ai fait trop. Ah ouais, bah moi j'ai été raisonnable, tu vois.
Bon, en fait, c'est parce que je suis un peu pauvre et que je peux pas faire trop d'œufs, donc j'ai fait moins de crêpes. Avec moins d'œufs, moins d'œufs. J'arrive, Némera, ah, hey. Moi, je dis une photo, Ménénémé qui mange des crêpes, ça vaudrait de l'argent sur le Twitch. Sur le Twitter, merde, pas le Twitch. Sur le Twitter Game, ouais. John Némé, une photo qui soit pas, c'est-à-dire Gizby, Gizbizibzi, là. Déjà, rien que ça, c'est... Ah non, non, gaspille pas, putain. Non, non, les crêpes, moi, point trop m'en faut. Je filme la dernière, la grosse épaisse, là. Parce qu'il te reste un fond de pâte, mais t'arrives pas à jauger si tu vas pouvoir en faire une odeur. Tu mets tout. Et bib, ça fait un putain de pancake. Tu verrais juste, mais si se mangeait avec Dexter dès qu'il sent Batman. Avec un masque de François Hollande par-dessus. Didi. Ça passe. C'est bien fichu cette plateforme, ça bug pas trop en plus. Les mecs ont des bonnes idées, hein. Comme quoi, il y a des gens intelligents. Encore, donc tout va bien. Mais je l'avais pas allumé, ça. Ah oui, non, c'est que j'avais recommencé après. Voilà, j'ai déjà un peu plus économisé ma petite Gigi, ma petite Boubou. On va faire venir la plateforme tout de suite. Ça coûte rien, cap de lumière, héros. Tralala, héros. Voilà. Je sais pas s'il y a des plateformes, je vais y aller. Bon, il y a sûrement moyen d'aller fouiller à droite là. Il en manque une seule. On peut aller fouiller peut-être. Non, on peut. Moi j'ai dû la rater, c'est pas grave. On finit le niveau. Parce que celui-là est un peu chiant quand même. C'est un peu chiant, un peu dur. Alors, toutes ces photos, il va nous mettre. Il va être avec une tasse devant la tête là. Et les fruits flottants de voler des barricades. La petite bougie qui a les pieds, c'est trop bien. Ok, dude. Non, mais là, non. C'est quand même pas tout à fait facile de naviguer non plus. Non, les checkpoints ça compte pas comme une bougie. Attends, j'en ai bien raté une. Entendu aussi. J'ai pas compris. Ah, ok, donc là, non, c'est ça. Ok. Il y a ça, il y a ça. Ok, alors j'attends, j'attends. Ah, ok, il faut faire à gauche, droite. Oui. Bah. Plateforme, où êtes-vous? Que faites-vous? Allô, oui, bonsoir. Alors voilà. Zwip. Zwip. Hop là. On y va. Avant, mais tout que tes hommes. On dirait que pas un briquet. Ah. Alors. Ouais. Oh. Non, mais ça arrive quand même à être jouable, quoi. Malgré que ça a l'air un peu bordélique, ça passe tout seul, hein. Ah non, viens, viens. Ah oui, c'est que ça rebondit. Ah merde, putain, c'est... Ah putain. C'est chaud, c'est chaud. Non, c'est vraiment nickel. Hein. Vraiment, ça tourne parfaitement, quoi. C'est parfaitement huilé. Bien que tu huilé. Quand t'as eu de l'huile, j'aime bien. Est-ce que Némé, tu aimes bien quand tu huilé? Il est bien huilé. Il me bien. En plus, les méduses ont l'air de plonger en dessous, tu vois, réapparaître. Oh, c'est presque beautiful, tu vois. Non, mais j'ai plutôt sauté par là, en arrière. C'est plus logique, c'est plus sensé. Je suis un garçon sensé. Je suis censé être un garçon aussi. Oh oui, on rigole. Allons, on se marre. À la marre au canard, qu'est-ce qu'il dit? Prochaine série MacGyver, envoyez engager des mères, un homme de caisse, on est fait avec ça. Surtout qu'en plus, il dirait du mal de l'autre MacGyver. Oh, je suis mieux que l'autre MacGyver d'avant, donc il casserait complètement
la logique du truc, mais il s'en fout. Imagine, tu sais, il arrive, tu reçois un coup de fil de Pete. Mac Némé, il y a Jack, il a été encore kidnappé, je sais pas quoi, par Murdoch. Moi, je m'en fous. Dis des merdes, je m'en fous. Pas d'une telle en promo. Je te vois bien, tiens, te battre. Toi, tu te battrais au Nutella, mais juste tu te battrais. Tu prendrais pas le Nutella. Juste pour casser des gueules. Merde, j'ai encore raté de bouger. Faire beaucoup de plateformes un peu exigeantes pour faire trop de fouillettes, tranquille, hein, à l'esprit tranquille, donc voilà. Sacré lève, le vrai, tu peux pas, Dean Anderson. Le mulet. Le Mourdes mulet du Canada. Dire la bagarre, ah ouais. Juste pour laisser aller ses bons instincts meurtriers. Ah ouais, non, mais là, ça pousse un peu loin, là, quand même. Ah ouais, c'est cool, parce qu'il cumule les trucs de gameplay. Putain, mais là, ça devient tendu. Ah ouais, ça devient vraiment chaud, là, quand même. Que c'est bien fait. Mais Chardine, ouais, non, mais il a pris du poids, puis il est vieux, faut le laisser tranquille, ouais. Et il nous a apporté plein de bonnes séries. On va le laisser un peu en paix, TPP, hein. Tu vois, voilà, faut que j'appuie quand même, mais pas trop proche. C'était en stage, c'est pas vrai, merde. Du coup, t'as subi le truc en direct, quoi. Et ça arrive quand même à être précis, c'est vraiment bien fichu. Hein. Ça fait longtemps. J'ai pas allumé de bougie, je me disais. Oh, putain, regarde-moi ces conneries. Ok, d'accord. Okay. Ouais. Alors, faut que je fasse briller le truc. Et après, faut que je m'en aille. Ok, très bien. Oh, le bâtard! Le mec, il a fait le petit. Hop, pouch. Pas expo. Si t'es pas assez putassier pris, je serais allé le voir. Ouais, mais. Je pense qu'il vaut mieux pas, en fait. Parce que, voilà, c'est fini, quoi. C'est plus. Moi je croyais qu'il allait aller loin, quoi, tu vois. Un drôle de bruit quand il marche sur l'herbe, lui. Non, tout droit, ça doit être la suite. On va à droite. Et il s'insultait quand même, quoi. Nutella, enfin, on le sait que c'est de la merde de Nutella, arrêtez quoi. Ah oui. Bah moi MacGyver, ça a un peu compté mais sans plus, c'est quand même des séries chiantes. Je regardais mais tu sais j'étais pas... Ouais mais je te trouvais plus joli au début le jeu, je trouvais plus cohérent. Là c'est trop... Petit carré, petit cube, géométrique, ça marche moins bien. Ben, des événements isolés, je sais pas trop. Ah, mais putain, mais. Ok, il s'est fait un petit kiff là. Il dit je vais en mettre plein des bouboules. Ça va tout péter. Ah! Pas trop vite. Oh, il va m'en manquer. Comment je la chope, celle-là? Ok. Je suis à côté, je tente le coup. Et après, elle flotte, putain, c'est bien pensé, parce que c'est celle que j'ai fait tomber. Bah oui, non, c'était un truc national. Hein. T'es critique depuis toujours. Non, mais MacGyver... Non, mais je me rends compte maintenant, en me rappelant, c'est pas ce que je préférais regarder. Ça passait, mais j'aimais mieux le dessin animé que les séries live, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ah, l'entrée du phare, ça y est, on y est. Parce que c'est la fin, il y a un petit chapitre dans le phare. The little candle hurries forth, unable to stop because his destination is finally in sight. Je vais allumer le phare, il a l'air allumé le phare en plus, c'est bizarre. Apparemment c'est pas la fin parce que la bougie se dégageait. Ouais, il y a vraiment, ouais, ça sert pas à grand chose. C'est dommage qu'on apprenne pas un petit peu plus sur l'histoire. Route pleine de fleurs. Waouh, encore trois petits chapitres.
Après, c'est... Non, mais le problème, Ever, c'est que les gens sont tellement pauvres que quand leurs enfants, il y a une occasion pour leurs enfants de leur donner un truc qu'ils aiment, bah ouais. Parce qu'en vrai, le Nutella, tu fais cette truc-là sur un produit, on va dire, du quotidien moins lié aux enfants. Bah, c'est pas les parents hein, qui ouvrent des tonnes de Nutella. Hein. Et effectivement, je peux comprendre. Moi, je n'aurais pas fait, j'achète plus Nutella. Et puis, je suis pas. Mais oui, quand t'es vraiment, vraiment pauvre, le truc à moins 70% du vrai Nutella que tes gamins d'habitude ils mangent de la merde. Enfin, du faux truc, ouais, ça peut. Mais oui, à ce point-là. C'est pas que ça. C'est pas que les gens sont cons. Voilà. C'est un peu réducteur. Après, il y en a sûrement. Juste, tu leur dis moins 70%, ils y vont comme des cons. Mais aussi parce qu'ils ont pas trop de thunes. Hein. C'est aussi ça. Hein. Malgré tout. Là, j'ai pas. Ah, j'ai même pas de bougie là. Pas terrible. Hein. C'est pas bon. Non, mais on dit pas que c'est bon ou c'est pas bon. C'est que les gens le savent, hein, la plupart. En plus, il n'y a plus vraiment d'excuses. Hein. Mais juste, bah ouais, ils en veulent quoi. Et que, bah, les copains en ont, pas moi, machin. Je peux comprendre la mécanique. Ah, c'est dur. C'est pas si simple que ça, Kenou. Pour arriver à la même texture, et puis bah tout le monde peut pas acheter. Le prix des noisettes, honnêtement, c'est pas plus rentable. Hein. Enfin, trouve des noisettes. Je m'étais renseigné, hein, c'est vraiment. C'est pas si faisable que ça, en fait. Hein. À vous embrouiller au collège. Hein. Putain, je suis en train de cramer la gueule. Hein. Faut pas que je te fasse brûler aussi longtemps. Hein. Je suis en train de tout gaspiller. Ah! On avait la baguette à 50 centimes de francs. Ouais, un putain d'euro la baguette. Après, c'est aussi logique que si les matières premières augmentent, faut que les mecs... Mais il y a eu des abus, voilà, entre bah, les céréaliers, qui... les gros céréaliers. C'est tout un système, tu peux pas juste dire c'est le boulanger qui augmente. Après, elle est toujours à 40 centimes à Leclerc. Quoi. Elle est pas très bonne, mais ouf, sans le pain, j'en mange. Oh, sur l'épicier du coin, j'avoue, vu les prix de taré, non, c'est... Tout que souvent, l'épicier du coin est entubé aussi, hein. Doucement sur les trucs du coin, c'est pas grave. Je suis pas capitaliste, mais je suis pas, j'essaie de pas être trop simpliste, quoi. C'est rarement de la faute du commerçant qui est en bout de chaîne. Pff, ça va, c'est les dates de consommation, c'est vite exagéré. Hein. Ce qu'ils mettent dedans, le machin, c'est comme au McDo, ça peut rester sans pourrir un moment. Hein. Tu vois ce qu'il y a dedans? Bah, putain, j'ai raconté 3 bougies quoi. La flemme. 4, 5, ouais. On manque plein quoi. Non, ça c'est pas normal. Mais dédouaner les gens, non. Mais de là à dire qu'il y a que. C'est juste les gens sont fous, gna gna gna. C'est vrai que ça fait peur. Ça fait quand même flipper quoi. Et que ce soit Nutella ou autre chose, mais. Ah, pardon, je joue. J'aime pas. Du coup, moi, je me prends pour une bougie, alors normal à allumer, tu vois. On achète presque plus. Bah, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, entre guillemets. On en achète moins, enfin, qu'on en consomme plus n'importe comment aussi. Ah! Enfin, je sais que moi, j'en mange moins et ça va mieux. On en consomme plus. Ouais, c'est vrai que les baguettes à 1€, ça fait quand même chier. Quoi. Enfin, 80 centimes, parce que sur Paris, je sais pas, mais c'est plutôt 80 centimes par ici. La moyenne. Ah oui, non, mais moi aussi. Hein. Super Leclerc en boulangerie. Bah, meilleur, c'est qu'on s'est peut-être habitué. Hein. Ouais, mais faut... Enfin, honnêtement, je te dis, le prix de revenu, oui, comme tu disais, les prix, c'est complètement fou, quoi. Et puis, bah, les gens, ils bossent. Pas toujours le temps, non plus, hein. C'est que... Puis tu peux pas tout payer, non plus. Enfin, il y a un moment... Ah, merde. C'est compliqué. Je vois maintenant que je suis vraiment ric-rac, je pourrais pas m'amuser à payer des noisettes au détail comme ça, quoi, tu vois. C'est juste pas possible.
Bah pff, oui, mais parce que. Ouais, bah les gens ont plus de thunes, quoi. Bah je peux plus cuisiner, mon four est mort. Oh putain. Mon four il est mort, il y a une résistance du four qui est mort, il chauffe plus en bas. C'est qu'il chauffe moitié moins fort et que bah c'est. Ouais. Attends, c'est quoi le délire là? J'ai pas compris. Ah mais faut que je. C'est ça le truc. Faut que j'emmène le truc. Jusqu'où? Ah d'accord, putain, bien joué. Moi je prends de la pâte à tartiner banania. Voilà. Ça se tire là, ouais, non, j'imagine même pas ça, j'avoue. C'est bon, je meurs pas, là, c'est cassé. Hein. Putain, j'ai encore allumé aucune bougie presque. Ah bah si, j'ai tout allumé. Oui, parce qu'il y en avait pas beaucoup. Attention, oui, je savais qu'il allait venir. C'est pas une ambiance très joyeuse sur le chat ce soir, je sais pas si c'est le jeu, mais... Petit jeu mignon, on parle de la crise sociale en France, vous voyez, du prix d'une telle... C'est pas l'être relancé sur ce quête. De hype. Bon, me hyper, c'est peut-être exagéré, mais... Ma marque préférée. Ah, n'aimer le colonialiste, la guerre d'Algérie, l'aimer, ça aime bien. J'ai rien à voir, moi. Ok, oh là, il y en a partout. Mais cette bananière, eh bien, il n'y a pas d'huile de palme. Bon, il y a de l'huile de partout, hein, de tournesol, ce que tu veux, de colza. Mais il y a un petit bout de céréales dedans qui fait un petit côté crispy, comme tu dis, un petit peu grignotante, comme ça. Au début, c'est dégueu. S'il passe sur GOG, je suis client. Ah, je connais pas ces sites-là. Moi, je connais... Némé et moi, on a les mêmes sites, il te dira. Ah, je peux pas aller plus loin. Oui, le petit point lumineux, c'est le cercle. D'accord, l'effet du truc. Donc j'attends l'autre qui tombe. Hein? J'aime bien IGG. Ah, pas YGG, IGG. Parce que maintenant, j'avoue, je vais même plus sur... J'y vais que pour les films. D'ailleurs, mon petit Némé, s'il te prend des envies d'aller en Égypte avec Bayek, il y a Monsieur CPY, il a fait le taf. Moi, je dis ça, c'est de l'information. C'est du journalisme, hein. C'est pas de l'incitation, n'est-ce pas? Il est en train de tourner chez moi là. Bon, c'est 40 gigas par contre. C'est vrai que c'est joli, les fleurs qui éclosent là, c'est oui. Les jaunes, ça pète bien. Monsieur qui? Non, monsieur Némé, pardon. Némé. C'est par torrent. Ah, c'est pas un site déjà. Déjà eu torrent, c'est pas un site donc. Ah, le noob. Ah, je note. C'est vraiment tout frais, ces deux ce soir là. Bon, CPY, le problème c'est qu'il voilà, il fait pas des repacks, lui c'est plein. Quoi. 40 gigas, c'est honnête hein, pour un jeu comme Assassin's Creed. Ah, je peux pas. Ouais, je vais le tester. Je sais pas si mon PC va le faire tourner. Bon, faut, on verra bien. J'aurai en minimum. Je m'en baillec, t'as compris. Bon, personne n'a fait la blague, je suis le seul détenteur des droits d'auteur de cette blague. Je monte. On va voir ce que ça donne. C'est un peu con de parler de ça d'ailleurs sur mon live, parce qu'après ça a été en replay. Il y a de beaux easter eggs, ah bah oui. Et il y avait des trucs sexuels aussi. Hein, il y a des scènes de sexe qu'un peu. Ah, j'aime bien ça. Et on a vu des vidéos, les gens regardent par la fenêtre et ils font du sexe. Je suis un peu choqué, moi qui suis un peu comme ça, prude et tout. Un peu la France, tu vois. La manif pour tous, tout ça. Quelle horreur. C'est faux! Je suis obligé de le dire, ça me brûle la bouche de le dire. Bon bah ça passe tout seul. Ah ça y est, je crois que c'est la fin, on arrive au phare. Regardez-moi ce petit air décidé. Having defeated the many obstacles in his path, the little candle at last. Ça sera bien emmené. Qu'est-ce que t'as l'air de dire? Oh c'est joli ce plan. Un petit mouvement de caméra, ça va être sympa. Et d'un coup. C'est ça. Assassin's Creed. Origins. Petite bougie qui manque, ça le stress, Méné. Ah, il a pas complété à 100%. Ah. T'as démonétisé. Oh, si c'est que démonétisé. Putain, il y en a encore. Ah, il y a le chapitre dans le fin.
pierre géante ne fait que gêner la petite. La petite quoi? Petite bite? Lol, la vulgarité, toujours. Je fais des vues. C'est un petit cachotier. Si tu savais la moitié de ce que je fais. En fait, y a rien. To the entrance of the lighthouse, he asks. Lighthouse, answer me. Qui a tué François Fillon? Ah merde, ça aurait été marrant. Entre guillemets, non, c'est faux. Sextape Lord Bama, non, non, pas, pas de ça, pas de ça entre nous. C'est uniquement spirituel, tu vois. C'est mental. On se ripote, mais pendant un de plus. Sur Skype ou Discord, c'est tout. Where he would shine just as bright and brilliant. C'est un petit peu la fable. Va se faire aussi grosse que le bœuf, là. La grenouille va se faire aussi grosse que le buff. Alors, ça, c'est du bilou, ça. C'est du bilou, ouais. Les bleus foncés, je les connais maintenant. Le clan des bleus foncés. Voilà, mais là, c'est des énigmes d'Assassin's Creed d'origine, du coup. Regardez. On se croirait dans un petit temple égyptien, tu vois, tu fais des énigmes. Je crois qu'ils vont pas jusqu'au bout. Hein. De toute façon, ils peuvent pas. Ok, des ampoules. Hein. Okay, des petits mécanismes, hein. C'est un petit peu le thème de ce niveau. Et là, je vais crever. Voilà, comme une crotte. Mais non, parce qu'ils ont tout pensé à tout. C'est très bien fait. Je sais pas parler non plus. Si on se calme, mais ça va pas l'aimer. Bah alors. Et mais il se lâche. Aïe, couillabilly, oui, je commets un bœuf pour lui. Qui veut un bœuf pour lui? Eh oui! C'est très célèbre du côté de Bruxelles. Secret, hein. Pas de secret entre nous, c'est trop gros, ça se voit. Là, je sens que ça va se tomber sous mes petits petons. Non, ça ne tombe pas sous mes petits petons. Voilà, petite double plateforme un peu chiante, mais ça va. Ah, c'est chiant parce que c'est un peu décalé et tout. Et comme je pèse pas lourd, je me fais emporter par l'avancée de la plateforme et j'ai du mal à. Sage. C'est marrant la couleur qu'il a mis là, sur les fonds de plateforme, enfin sur le devant, espèce de pierre brillante, quoi. C'est très beau. J'ai pas vu combien j'en avais allumé. Ah, la petite bougie, ouais. Ça part dans tous les sens, oui, je pense qu'après l'anxiogénitisme, on avait besoin un peu de blague salace. Némé, il a vu ça, il fait bon, on va faire une blague sur les couilles à Béné, ça va faire marrer les gens, ça va bien, ça. Là, il s'est mis en mode billard. Il a remonté dans le pot, comme ça. Avec les gros yeux qui fait billard comme ça. Némé le fait, ça, c'est Némésis. C'est. Si tu regardes, si tu chopes une émission de Vie ma vie, je suis un sosie, tu vas renommer sosie de Patrick Bigard. Jean-Marie Bigard. Oui, non, mais les modos ici, c'est pas des vrais modos, parce qu'il n'y a jamais personne qui fout trop le zbeul, comme disent les jeunes. Les jeunes disent zbeul, alors j'utilise cette expression parce que je suis proche de vous, les jeunes. Je vois rien du tout. Le 2, tu l'auras. Attends, voilà, accroche à l'eau qu'à la fin, les couilles à Méné. Mon pauvre Méné. Attention, je vais crever. Suspense. Eh non, on se serait cru dans le dernier Tomb Raider, qui a l'air absolument nul à chier. Putain, la bande-annonce avec l'autre, là, Vigender, là, je sais pas quoi. C'est genre, ils ont pris les cinématiques du jeu et ils ont refait telle quelle, quoi. Alors, est-ce que c'est juste une ou deux pour le fanservice ou quoi, je sais pas, mais. Ouais, mais non. Je vais mourir. Et non, c'était tout prévu, c'était calculé à la seconde près. Ah, il y a une bougie là-dessus, merde. Ah bah là, je crève pour le coup. Le petit bruit. Squish. 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 Non, mais c'est un peu notre muse ce soir. Zbeul, je sais pas, je l'ai entendu. Hein. Pareil que ça veut dire le zbeul, le bordel, le bazar, le dawa, le souk, comme on disait à l'époque. Mettre l'ambiance, mettre l'ambiance, je les imagine à paillettes, comme du boule à facettes. Quand il enlève son slip, c'est la fête. Je suis un peu plus, ça rime. Mais qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Il y a faux sens de la phrase. Cher.
Tu nous donnes les tarifs, tu nous fais un devis. T'es auto-entrepreneur, on te paye, voilà, pas de souci. Je parle en rime ce soir, c'est fou. Hein ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais c'est tout con le petit engrenage qui tourne quand ça bouge, mais ça fait un petit peu de mouvement à l'écran. Et ça donne l'illusion que le truc est un mécanisme et pas juste une des plateformes qui bouge bêtement. Sans raison d'être, vous voyez. Il faut vraiment se coller et on va faire pareil là-bas, il faut se coller. Si tu te colles, ça passe. C'est chaud, hein. Je vais faire ATP. Il faudrait que je monte, mais je sais pas comment faire. Faire un tupi, un tupi. C'est un tupi Beyblade. Ah, je me suis dit, il y a un espace ou pas? Attends, j'ai que 22 ans. Oui, non, mais toi, tu fais ta maligne, toi aussi. Jamais. Oh, ce que cache, c'est pas tout le temps caché. J'ai eu quelques sites. Hein. On la voit drôlement à découvert, moi je trouve. Il a pas peur, même si c'est l'hiver, Némé, il met pas son bonnet. Alors là, par contre, je sais pas où elle est. Bat. Ah, joli, un canal de poisson. Je mets ton Tupperware. What? Bon, j'ai pas vu justement où est-ce qu'on montait sur les hôtels. Attends, bah, de toute façon, c'est pas grave, je suis parti là, ça me fait chier de revenir. Sauter sur la dernière petite plateforme pour monter sur l'autre. Bah, ah mais oui, quand on remontait. Ah, je suis bête, ouais. Exact. Tant pis. Je crois pas que ça change vraiment la fin du jeu en plus. J'en ai raté une autre. Je pense qu'il y en a peut-être encore. Mais pas si court que ça, hein. Bon, il a deux heures de gameplay. Little Nightmare, on l'avait déjà fini, je crois. Hein. Oh fuck. Ah non, mais non. C'est joli, c'est vachement joli. Ah. Plus ce petit son là, dim dum dim dum dim dim. Lors d'enfile. Ah mais moi non, la platine c'est pour vous autres. Moi, je suis pas l'élite du jeu vidéo, moi. Pour dire du mal. Durer trois quarts d'heure, mais ouais. Bon là, alors attention, là il faut savoir que les chapitres gratuits, les espèces de alors, DLC payants ou pas, sont déjà inclus dedans dans la version PC. Quand il est sorti sur Xbox Live, il avait pas tout ça. Oh les bâtards! Si tu synchronises pas ton truc, tu gaspilles de la lumière. Alors, attends, que je regarde comment ça se met. Ok, d'accord. Ah bah non. Oh le gaspillage, c'est chaud. Ah mais... Bah j'avais pas compris, j'avais pas vu qu'il y avait encore un stage de carré. Putain, faut anticiper là, faut... Ouais. Attends, je vais où là du coup? Ah mais j'ai peut-être pas besoin d'en faire ici. Ah oui, la lumière des bougies me permet d'économiser, ok d'accord, tout simplement. Ok, ça c'est cool par contre. On y va. On y va au feeling. Le bon feeling. On va attendre, parce qu'il n'y a rien qui me fasse tomber. Voilà, pas de panique. Pas de panique, la police. Allez, salaud. Bon, là, j'en ai encore raté moult. C'est quand même super stylé. Ouais, les tableaux peuvent être courts, mais si tu farfouilles. Hein. Mais là, tu peux pas trop farfouiller parce que tu gaspilles beaucoup de lumière et tu crèves et tout. C'est violent comme farfouillette. Moi, je me mets mal à l'aise de devoir économiser de la farfouille. Me farfouiller tranquillement. Il faut me laisser farfouiller, sinon je suis pas content. Des fleurs. Ah bah non, mais Menepsis dans le speedrun game, completion game. Dans le platine game, attention. Bon, à son niveau, c'est un DJ quoi. Tellement il platine. Tu comprends? Comme ça. Ah.
DJ Mene. Ah bon, on l'appelait Vibroski. Il a changé de nom, trop fameux, s'il pouvait plus sortir de chez lui. C'est étendu. Oh oui. Avez-vous déjà... Et là par contre, faut pas que je le fasse, c'est salopard. Il faut carrément pas que je fasse de lumière et... Non. 5 platines, non, non, mais ça c'est ce que... Ouais. Non, mais on sait que c'est pas vrai. On sait que t'en as plus. Tu es trop modeste. Super stylé ce dernier passage là. C'est vraiment très joli. C'est toujours le bon choix de design pour la couleur, pour tout ça. Non, c'est le bon jeu. Alors, platiner un jeu, genre trouver tous les secrets la plupart du temps, c'est ça. Hein, c'est plein de petits secrets. Ça me gaverait, mais d'une force. Je sais pas comment vous faites avec ma... Okay, le checkpoint est là. Tout le monde est là, je vais faire le checkpoint. Ouais, non, en fait, là... Est-ce que je dois y aller, là, en fait? Ah, il y a une bougie, ok. Ouais, non, ça va me gaspiller tellement. Ah! Ah mais c'est dur. Oh, il sait faire, il sait y faire, il sait y faire ce petit homme. Ah, on panique pas, parce que j'ai un peu paniqué. Je vois rien. Ah, j'ai même pas vu. Je suis mort, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah, mais est-ce que ça se platine, ça? Il y a des succès là-dedans? Oui, sûrement. Je platine. Construire ça. C'est vrai, c'est que là, oui. Ah, mais je me fais quand même écraser par le truc. Mais je suis sur la bougie, là, ça devrait être bon. Oh, je vais pas insister, celui-là. Hein. On va pas faire comme ça, écoutez. Vite, vite, vite. Ah, je peux la choper par ici. Ah, en fait, c'est qu'il faut revenir. Ah, d'accord, c'est pour revenir. Oh. La flemme. Moi, je veux voir la fin de l'histoire. Et comment je fais, hein? Oh, putain, mais chaud. après, je sais plus. De regardez-moi, tellement je me suis ennuyé. Ben ouais, mais en Steam, ouais, c'est vrai aussi. The threats and dangers grow, but the little candle shows no fear. He can see his light now getting brighter and brighter. Mais oh, c'est super Saiyan God, il est en ultra instinct. Il se transforme en ultra phare instinct. Ah, je vais voir les plateformes dans le reflet, ok, d'accord. Oui, c'est des effets simples mais propres. 14€ là quand même. Mais il est plus long que je croyais. La version PC avec tous les DLC là. C'est quand même honnête. 2 heures de jeu, bon, c'est un petit jeu de plateforme. Et encore 5 et trucs, hein, encore 5 chapitres. Ah, il est plus long que je pensais. Je pensais qu'on allait le torcher ce soir easy, mais il va falloir pousser jusqu'à minuit, quoi. Des gouttes aux bougies, bébé. Attendez, parce que... Ah, ok. Quand je laisse appuyer... Alors là, par... Maintenant aussi. Ah, oui. D'accord, ok. Putain, les énigmes tordues. Après, on voit l'ombre aussi des plateformes. Ok, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Faut se repérer à l'ombre du petit blanc. Putain, c'est space. Hop.
J'aurais peut-être dû allumer celle du haut d'abord. Ouais. C'était mieux sur Pong, et ouais, il y avait Ping et il y avait Pong, voilà, t'avais platiné le jeu, c'était bien. Ouais, très drôle ça, très bien. Ok, what? Il y a des ennemis, je suis pas prêt. Ils sont flippants un peu, non? C'est flippant là, non? Et puis? Bon, ils sont très lents. Si je le regarde, non, c'est pas comme dans Mario, ok. Ils sont trop creepy, ils perdent. Ah merde, ah mais oui! Ah mais oui, je suis fou. Il est fou. Faut y faire peur, mais du coup, il est tombé dans le trou. Ils sont creepy, non, mais avec cette la cire qui leur dégueule dessus, hein. Bon, ils sont quand même très lents. Petit coup de fou, je sens. Voilà, attention là. L'histoire me perd. On va se mettre là juste pour faire un petit peu peur, voilà. Attention, faut regarder l'ombre maintenant. En haut, en bas, je sais pas, on va monter. On se casse, j'ai trop peur. J'ai trop peur d'y faire et tout. Prochain film de Disney. Kojima a été bluffé. Il va nous en faire un film, tu vois. Il y aura des bébés et tout. Il aime bien les bébés. Dans Silent Hill, il y avait un fœtus, il y a d'autres fœtus. Pokémon funéciens, la 5ème génération. Ah oui, c'est vrai qu'il a une gueule de Pokémon ou un objet avec des jambes. C'est typiquement la flemme qu'ils font en ce moment, Pokémon. Ah, puis c'est inversé et au sol aussi, ça nous aide un peu au sol. C'est cool, on peut se diriger sur les deux trucs. Putain, c'est quand même bien fichu quand même. Hein. Par contre, ça me perturbe un peu dans mon cerveau. Je cheat. Non, je peux pas cheater, de toute façon, faut que je tombe. Putain, c'est quand même bien pensé. Allez, après, faut que je regarde les caméras peut-être bien. Non, vraiment. Hein. Hop. Je suis époustouflé par ce petit jeu là, ce dernier niveau, ils se sont pris la tête. Du coup là je peux... Ah non, je peux pas. Angry Bird, j'ai vu Fi, on dit il est pas si nul que ça, si il est carrément si nul que ça. Ah si c'est... Ah, mais qu'est-ce que je dois faire, là? Putain, mais non, c'est trop, là. Ah, merde, oui, non, j'oublie. Ah, putain, c'est trop dur! Ça commence à être velu, là, parce qu'il va falloir qu'ils mettent un fantôme en plus. Ah oui, c'est vrai, je suis un film de bataille navale, ouais. Alors, attendez, que je réfléchisse, là, après, je passe en mode comme ça, donc tac, 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 voilà. Et mon cerveau est en train de pleurer. Ouin ouin, il fait comme ça. Moi, je peux passer au-dessus en sautant. Et là, faut surtout pas que j'active ma bougie. Je tombe et je meurs comme un is de hutte. Oh non, non, j'ai effleuré le coin, là. Mais oui. Et puis surtout, il y a des idées. Chaque tableau, il y a une idée ou deux. C'est la base de ce genre de jeu de plateforme, mais par rapport à Little Nightmare, c'est déjà beaucoup plus riche. Hein. Bon, l'ambiance, on n'en est pas là, niveau... C'est vrai que c'est moins creepy, hein. C'est peut-être pas le but aussi, tout à fait, mais quand même. Mais ça, c'est trop fort comme petit puzzle. Enfin, comme petit puzzle. Puis ils en surutilisent pas, à chaque fois, ils rajoutent vite un petit truc à côté pour pas qu'on s'ennuie. Il faut vraiment pas que j'effleure le gris clair, hein. Non, puis on comprend quand même sans aucune explication textuelle sur la gameplay. Quand même. Mais c'est pas trop dur non plus. Bon, certains diront que c'est trop facile. Attends. Hop là. On va l'allumer. Et comment je fais celle-là? Elle va être dure, ça va être prêt.
Allez, vite, vite. Ouish. Ça te rassurera. Tant que je joue à Subnautica, bah faut pas regarder mon live sur Subnautica parce que je triquite. Gagné. Résumé de Némé. Non, moi je. La gestion de l'oxygène gâche tout le début du jeu et ça me. Déjà, No Man's Sky, si je le compare, les deux sont très très proches quand même. Au moins, No Man's Sky, il n'y avait pas ce truc-là chiant. Il y avait les ressources qui étaient chiantes. Mais là, déjà, il y a la faim, la soif, ça c'est chiant. L'oxygène, purée, ça te limite, ça te fait faire des allers-retours sans arrêt au début. C'est très désagréable, je trouve. Et dans tout jeu, tu auras l'oxygène à gérer. Rien que de savoir ça, que d'être cantonné sous l'eau. Je dois être plus le genre de garçon de l'espace. J'avoue, j'aime mieux prendre mon vaisseau et me barrer. Voilà. Qu'est-ce que. Ah oui, merde. Ah oui, parce que. Ah putain, ouais. C'est que je dois gérer la profondeur. Ah bordel. Tu parles de quoi? Ah de Subnautica? Ah bah c'est du survival, hein, mais c'est du vrai survival violent, quoi. Fais gaffe, faut que je regarde les deux trucs en même temps, quasiment. Ouais, faut que tu sois très patient parce que c'est très exigeant, je trouve. Ah, j'ai pas compris par exemple. Ah oui, mais c'est que c'était pas collé au mur. Merde, je suis con. Aïe, 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 aïe. Faut au moins 10 vies. Hein. Oui, voilà, ok, d'accord. Là, je regarde en bas. Ok. Ah. Là, par contre, c'est surtout de la bande de la largeur. Tu vas dans l'espace? Non. Merde, j'étais trop vite. Sans gérer la fin. Oui, je sais, il y a un mode créatif comme dans No Man's Sky d'ailleurs. Ça, je sais pas quel a copié sur l'autre, mais je pense que c'est No Man's Sky qui a copié. Mais le truc, c'est qu'après, c'est plus le vrai jeu quand même. Même si maintenant No Man's Sky, je me ferais bien une partie en créatif. Pour commencer, j'ai quand même envie de jouer en normal, tu vois. Mais The Forest, c'est à moitié un truc d'horreur, hein, c'est ça? Ah non, il est allumé. C'est que j'ai refait popper les blocs. Ok. Merde, je suis tombé en plein dans le piège. Ah d'accord. Je suis un peu loin au niveau de la selle. Avant que je fasse ça. On va se concentrer un petit peu. Parce que ça papote dans le chat, ça papote. Ça papote à la compote. Des monstres, oui voilà, des mecs à poil, tout ça. Oh putain, j'ai failli l'oublier. J'ai failli l'oublier. Il y a un peu. Non, mais né, c'est beaucoup de crafting et de construction. Moi, je trouve ça trop lourd. C'est pas mon genre de jeu préféré. En plus, là. Subnautica, il y a un petit peu d'histoire aussi. Mais il y a le farm dans Subnautica et pire pour moi. Putain, faut que je tombe. De Tarba. Mais je peux pas y arriver, je peux pas tenir. Comment tu veux que je fasse? J'ai pas assez. Là, je suis pas sûr de savoir où aller. Ouais, puis c'est vrai que la bande son est vraiment ouf. Celle ah bon, c'est de Subnautica, je sais pas. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire encore sur The Forest, quoi. Il pourra vraiment finir ce jeu-là. Hein. Ah parce que oui non faut pas que je tombe en bas. En bas je tombe là donc ça sert à rien. Ah moi je le trouve relou. Enfin No Man's Sky aussi, attention. Ah moi je l'ai trouvé, on reconnaît pas trop où sont les trucs. Et puis
faire des allers-retours tout le temps, c'est les allers-retours qui me gavent. Ah mais faut que je monte, je suis trop teubé moi. Je suis trop bête. Jibin a une grosse bêta. Ah non, Maska, il n'y a rien, il ouais, n'y a quasiment pas de serre, j'avoue. Hein. Ils ont rajouté une sorte de quête, mais oui, c'est pas... C'est vraiment pas intéressant, parce que clairement une fois que t'as vu tous les trucs, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Tu es Kotoi, tu es Coyote, j'avais lu. Non, mais je ferai ça maintenant. Alors, on y va. Ah! Je suis à l'aveugle inversé. Je cours à l'aveugle inversé, les enfants. C'est très perturbant. Mon cerveau, il dit, tu fais quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi tu joues à ça? Il dit, mon cerveau. Je joue pas à ça. Tu nous fais du mal, arrête. Non, mais mélangez pas tout, les copains. Ben, y en a trop, là. Ah, oui. Putain. Oh là 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 là, mon cerveau. Ah. Y en a trop, je suis plus, là. Ah. Ah. Reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Oui, parce que ça éteint les bleus, mais ça allume les jaunes. Ok, j'y arrive. Ah, mais arrêtez de groupe tarba. Rien à foutre. Rien à foutre. Comme ça. Eh. Ah, si, je vais être obligé. Cette fois, oui, ils sont un peu nus. Puis les intelligences artificielles font pas. M'en fous, je gaspille, je me crame la gueule, go. Ah, je m'en fous. Ah, les bougies, c'est pas la priorité, c'est mon cerveau d'abord. J'ai vu les quintillions de planètes. Ah, regardez, c'est inversé. Maintenant, le phare, je suis de l'autre côté du miroir. Quand je fais de la lumière à travers les blocs bleus, ça fait descendre. Enfin, je crois que c'est ça. Monstre à 10 gens. Il y a un monstre à 10 gens. C'est un peu ridicule. Ah non, je me transforme en mode bougie. Oh, la violence. Squish. Ça m'a fait bien squisher. Mais en fait, c'est l'angle de caméra qui est changé. J'ai l'impression. Ça faut vraiment faire ça. Ah, attends. Ok. Ah ok, d'accord. En fait, c'est selon l'ombre projetée, ok, d'accord. On voit ça avec l'ombre. Ok. Gaffe, faut pas me rematérialiser parce que sinon je nique tout. Ouais, c'est un peu creepy parce que tu vas quand même dans voilà, les profondeurs, c'est quelque chose de, d'humainement, anthropologiquement, ça fait peur quoi. C'est sauvage, ça m'a calmé. Bah, comment en vrai, j'ai envie de te dire. Tout ça pour une bougie, ça déconne. Quand même. Quel arnaqueur ce jeu. Pas trop.
dû le rapprocher, mais je ne l'ai. Mais comment tu veux que je fasse? Non, ça se tente pas. Hein. Non. Ouais, il fallait que j'aille, putain. De toute façon. Minecraft. Ah, je recommence depuis le début. Alors, ça s'appuie de la top. La top n'aime pas ça. Musique se fait un peu plus suspensifiante. Ok. Voilà. Parce que j'ai déjà ouvert la allumé la bougie. Ah, par contre, comment je vais faire pour baisser l'autre? Enfin, que oui, non, en fait, c'était pas juste pour allumer la bougie. Une fois que j'ai allumé la bougie, ouais, je peux tenir dessus. Ok, d'accord. Donc, c'était pas si dur que ça. Qui veut gagner des millions. C'est l'exacte bonne référence au bon moment. C'est tout à fait ça. Vous êtes à la question à 400 000. Je sais pas. Vous êtes toujours votre joker. Putain, comment je vais faire ça? Ah là, faut que je me tienne dessus, ça suffit, d'accord. Alors je pourrais, oui. Ouais, parce que, ah ouais, mais oui, du coup mes ombres ça perturbe un peu le truc en fait. Bon, on s'en fout. Allez, mais je suis plus dans la bougie. Putain. C'est que je sais pas quoi faire en fait. Un truc à faire avec toi. Il devrait pas descendre le truc. Ouais, là, je... Non, je sais pas ce que j'ai fait. Elle mourait dans le pré. Eux ils font flipper. Eux ils font peur. Ah oui, il faut que je me serve de son ombre à lui. Putain. Bah non, ça marche pas. Si ça avait marché, ça a marché une seconde, mais. Alors c'est son ombre à lui, mais en mode. Si, c'est ça, moitié. Il faut pas qu'il soit trop loin, c'est ça, mais il faut pas qu'il soit trop loin. Ça, c'est compliqué, hein. Y'a là, petit pépé. Y'a moi, Dr. Batter. Il va t'expliquer la vie, comment ça marche, la vie. Moi, je connais la vie. Toi, tu connais pas. Moi, je connais. C'est pas super ergonomique. Mais on y arrive. Bon, ça, j'ai un petit photo. Toi, est-ce qu'ils m'ont déjà vraiment tué? Par contre, ouais, j'ai presque plus de vie, quoi. On est à la fin. On a juste à sauter. Je vérifie. Non, non, on n'a pas juste à sauter. Je le fais pas, ça. Allez, encore, faut juste que je tourne en rond. Ça devient un peu longue là pour le coup. Allez. Faut que je m'éloigne d'eux pour faire une grande ombre, mais. Enfin, un peu chiante, ouais. C'est moi qui la maîtrise sans doute pas. Ah, je regarde pas où je tombe. J'essaye d'allonger l'ombre en m'éloignant. Mais je voyais pas que j'étais au bord de la plateforme, merde. Ah putain, puis je suis, ouais.
quand tu maîtrises le truc, toi, ça va vite, là. Eh oui, bah moi, je suis concentré sur un truc à la fois. Un petit cerveau, il est pas... Ah, ça me l'a remis en place, en plus. Allez, vas-y, on se scolle, là, on se scolle bien. On se scolle au pan, et voilà. C'est vrai que je peux les éloigner un peu, Omar. Je pourrais essayer de faire ça. Là, je suis pas maîtrisé la technique. En faisant ça... Hop, attention, pas qu'il m'attrape, parce qu'il va manger le cul. Peut-être pas faire le fouchon, on va juste tourner en rond comme tout à l'heure, ça marchait petit à petit. Tu viens là, tu viens, tu viens. Merde, je me matérialise trop tard. Et je me rematérialise dans un cube bleu en fait. Quand je relâche la lumière, ça... je suis dedans quoi. Oui, des fois il a peur de quoi? Ah, il a peur de la bougie en fait. Ah. Pire, je suis trop loin. Refabumine. Ah, il a peur de la bougie, ok. On y va. Non, j'ai pas dit ça. Matérialise. Ah, Iris, non. Je mate pas Iris. Iris, je la déteste. Worst perso d'FF7. Je m'en défais. Je suis love interest et je meurs dès le début. Le spoil, je vous emmerde. J'arrive pas. Plutôt près d'eux en fait, vous voyez, non, c'est moi qui suis bête. Plus je suis près d'eux, plus l'ombre est grande, c'est moi qui suis teubé en fait. J'ai du mal avec la physique ce soir. Mais c'est plus dangereux, tu vois. Némé qui connaît pas la base. Ça gère et c'est la fin. Oui. Mais exactement. Ouais, je pensais pas que les trucs en plus ça Stumbling out of the cave. The little candle catches a glimpse of the lighthouse. Ça y est. Ah, il y a encore tout le tableau là à faire. The beacon isn't fine. His efforts have almost paid off. Ah, mais avoir un niveau avec les engrenages de la façon Buster Keaton machin. Non? Ouais, si ça sent. Présenté comme ça, ça se sent. F7, ah là là. Pourtant, il s'amère dès le début, on s'en bat les couilles, les cons, plus la bite. Destination finale du rêve, c'est le dernier chapitre. Alors, ça va nous pousser jusqu'à minuit. 3 heures de jeu, bah ouais, comparé à Little Nightmare. Ouais, non. Ils sont de mèche, oh là là. Voilà, c'est top. C'est top. Ah, ça y est, je suis toute seule. Je fais un petit bruit à chaque fois que je marche. Ok, la lumière a pas l'air d'avoir d'impact. Sur les angles creux. Bon, c'est un petit niveau un peu moins agressif dès le début. Je sens qu'elle va se corser par la suite, mais au moins on est tranquille. Et ça, ça fait rien, non. Ah, attention. Ça commence.
commence à être un peu relou là déjà. Sur Flynot. Qui vole dans les notes, c'est Flynot. Je peux passer là, oui. Ding ding dong dong ding dong dong. Ça a l'air stressant, en fait je trouve ça, ça me calme moi. C'est comme une bougie, ça ne tient qu'à une flamme. On voit 36 chandelles, waouh. Et quand tu as chaud, t'as de la cire qui te coule, et après ça se solidifie. Il y a un liquide blanc, quand tu t'enflammes, t'as un liquide blanc qui sort, et après il s'écolle. C'est comme la vie. Ah, ça, Debizis, il a bien aimé ça. Cette petite parabole, il est content. Mais ça brûle pas longtemps. Il faut refaire de la cire si tu veux que ça roule. Faut attendre un peu. Ah, mais là, je suis carrément. Oui, à l'horizontale quand même. Ok, il faut se speeder, d'accord, très bien. Très bonne petite mécanique. Il faut faire le tour. Bon, ça c'est pas trop rapide. Mon mec, il a vraiment zéro respect de la gravité, la petite bougie quand même. Parabole, pirate tout. Chicota, eh oui, vous voyez, Chicota, il a dit. Dong dong ding dong dong ding dong ding dong diga 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 toin. C'est intéressant, ça fait voir un peu les engrenages, vous voyez. Notre angle de vue, et après on repart sur la gauche. Non, c'est vraiment futé, c'est tout con comme système là. De le faire attaquer à l'engrenage d'un. Sur un autre angle et tout, ça va être. Mais il est plutôt très très bon, ouais. Ça manque peut-être un peu. Alors, le scénario, on va voir à la fin, mais. Mais oui, ça, pour un petit jeu de première équipe. Ils sont doués, les mecs. Ils ont étudié. Bon, après, je suis sûr qu'on peut retrouver ces mécaniques-là dans plein d'autres jeux, en vrai, mais dispersées dans plusieurs jeux, voilà. C'est peut-être un peu ça. Mais direction artistique se défend. Et surtout, il est toujours au service du game design. C'est-à-dire pour que tu comprennes ce qu'il faut faire, là, le choix des couleurs n'est pas anodin. On va espérer être un petit effet de paillettes très cosy sur les textures. C'est pas mal. Et surtout le sound design. Chapeau de paille, quoi. Chapeau de paille, le fil. Moi aussi, je connais Naruto. Attendez, je suis en train de. Non, non, bien sûr, mais tu vois, Nightmare Creature, il y a une ambiance. Je dis pas qu'il y a un scénar, au final, ils en ont pas profité, mais. Oui, oui, non, mais là, même suggéré, il suggère pas grand chose, tu vois ce que je veux dire. Mais les mécaniques sont plus solides que dans les autres jeux, je trouve. Sans être trop dur, c'est mon niveau de difficulté, ça. J'avance tranquillou, faut un peu de concentration, et ça va. C'est pas hystérique, même à la fin, c'est un peu plus compliqué, mais ça va. Ouais, je préfère Inside, il a peau de couleur, il y a des enfants qui meurent, et bien ça, moi. Ah, c'est l'ascension, attention, quoi. C'est la métaphore du pénis qui rentre en érection, voilà. Quoi. Bougie, il est nul, là. Ah, bougie, c'est nul. C'est plus ça. On est moderne, on fait plus la bougie. Nous, on fait les piles électriques. Le Ricard, voilà. Ça, c'est moderne, le Ricard. Je t'ai repassé pour un alcoolo. Par contre là, niveau de la perspective, j'arrive pas trop à voir, enfin ça fait exprès, dans quel sens je tourne. Je vois pas toujours là, ça me fait mal aux yeux. Enfin si, je vois, mais mon cerveau s'embrouille. Il fait, mais attends, on tourne en avant, en arrière. Qu'est-ce se passe là? Moi je dis à mon cerveau, ne t'inquiète pas, jeune homme. Tout va bien. Palo, palé, palo, t'es palo, palé. Et ça passe. Oh mec. Ah oui, c'est vrai, il y a cette histoire là dans Mario, en fait tu tues les habitants. Ah oui, on change de perspective. Ah non, pas du tout, je ne vois rien, au secours. Ah, et ah, ou papi papoum. Attendez, je suis un peu perdu là. Comment je dois faire? Ah si, c'est ça, je change d'angle de vue. Mais je suis penché ou... Ouais, là, il y a eu une petite tricherie, là. C'est Ricard, cœur de lion. Putain. La bouffrie de l'homme. Vous voyez, là, il y a un problème, parce que la plateforme est comme ça, mais les trucs sont plats, là. Je suis complètement paumé. Ouais, il y a un petit souci, mais c'est pas grave. C'est fait exprès, hein. C'est un peu pour faire perdre des repères, mais... Ça marche. Je ne comprends rien.
Mais je comprends rien, mais c'est quand même agréable. C'est pas, je comprends rien dans d'autres jeux de plateforme où c'est, ça change le centre de gravité, machin, et où je suis vraiment paumé. Là, je suis paumé, mais gentiment. Je suis gentiment paumé. Là, c'est pareil. Voilà, on rentre dans le petit Toyo. C'est effet de paillettes que quand je marche en plus. Il y a un défilement rajouté quand je marche. Oui. Pensez à Silent Hill, presque ces bruits là. Mais oui, mais c'est stressant. Il triche le jeu. Puis comme mon perso en plus, il s'en bat les steaks un peu. C'est Inception. C'est le Inception du Dark Soul. Oui, j'ai le droit. C'est une expression totalement validée par l'Académie du jeu vidéo. Silent Hill, ça me fait peur. Bon, ça, c'est pas très peur. Tu peux rester, tout va bien. Comment je fais? Je peux pas monter là, c'est trop haut. Mais là, je vais me faire écrabouiller. Paumé là. Putain, ça me fait mal aux yeux, j'ai l'impression qu'il s'éloigne ou qu'il se rapproche. Il y a la caméra qui fait un truc chelou. Mais non, mais là, si je saute, si je peux. Non, je peux pas, hein, mais d'accord. C'est vachement trop. C'est vrai, c'est là que je voudrais aller, moi. Attendez, est-ce qu'il y a un truc sur la roue qui est un peu surélevé? Je vais tomber. Voilà. Les pastis par ici, le pastis sera par là. Mais les apéros, mais le seul tranquille. Moi j'ai le droit, mais pas ouf. Ça rallonge un peu. C'est un peu le truc, c'est que le jeu a tendance à vouloir rallonger de temps en temps un peu. Bon, on a compris quoi. Bah là, c'est pour le coup, j'ai pas compris moi. Je vois pas comment faire. Je recommence depuis. Non, pas le début. Je ne sais pas. Ah, je me vois plus, attendez. Voilà. Celle qui monte, ouais, mais c'est ah dans le trou de celle qui monte, d'accord, je viens de voir, c'est dans un des petits creux là. Je croyais que les trucs se mettaient s'enclencher, mais non. Allez, voilà, hop, le petit trou, voilà. Ouais, faut y prêter attention. On se met là, pareil, on essaie dans les petits trous. C'est des engrenages qui se touchent pas entre eux, c'est pour ça que c'est un peu perturbant. Les engrenages, c'est quand même fait à bout d'un moment pour se toucher entre eux. On se touche le bout de l'engrenage tous ensemble. Allons-y, Némésis, on se touche, allez-y, fais-moi voir ton bel engrenage. Et ça, c'est sympa, hein. Ascension finale, on y arrive, c'est la fin du jeu. The escalier is waiting for us. Comme Toys R Us. Et on est parti. Normalement, un coup à droite, un coup à gauche, ça passe tout seul, ça passe tout seul. Ah, il y a des trous. Ah, les salauds. Ils ont prévu des petits trouillous. Les petits trouillous. Moi, je le speedrun. Any% Candleman. On dirait un nom de film d'horreur, tu sais, il y a Boogeyman, il y a Candyman, il y a Candleman aussi. Speedrun, je te l'ai speedrunné sa mère. Tatin ! À la caméra s'il vous plaît, merci. Et voilà, je vais devenir le phare, regardez. Je m'en vais de ce pas porter la lumière au monde. Et éclairez vos vies. Pour ne point que vous allez vous écraser sur les récifs des turpitudes. Car j'aime le mot turpitude. Il y a presque le mot bit, mais c'est pit. Turpitude. C'est pas mal. J'aime bien. Et il a toutes les bouilles en plus. Mais je... Voilà. Quand je m'y mets, c'est le proplay. Un moteur de Renault Twingo. C'est beau. Non, c'est le phare, c'est le phare. Petit
s'efforçait à courir, apportant la lumière à la nuit. Eh ben oui, bonne surprise. Ouais. Non. Petite friandise, ça passe. T'as passé 3 heures, t'es content. Bon, tu l'as payé 14 euros, j'avoue, ça fait mal au cul. Faut quand même non en sol parce que c'est rush. Il y a un peu de rejouabilité, mais bon. Il n'est pas désagréable à jouer, hein. C'est pas tout à fait non plus super agréable, tout à fait. Enfin, un peu de lourdeur et puis la vue qui est quand même de temps en temps un peu agaçante. Can I shine like you now? C'est pas si chiant. Moins de 10 euros pour un petit jeu qui dure que 3 heures quand même, enfin tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit de faire, je me comprends. The light went out in a whoosh. Could this be the chance? Ok. Du coup, elle dit vas-y, remplace-moi. Oh, je suis plus fort que toi, enculé. C'est moi le phare maintenant. Comment ça s'énerve? Je suis pas content. He resolves to burn as hard as he can. Ah, mais c'est pas assez. And engulf the darkness in light. Ça y est, mais oui. Mais c'est gigone. C'est sûr, ou alors payer 10 balles ou 15 balles pour un jeu avec plein d'heures de jeu sympa aussi. On n'est pas obligé, encore une fois, cet argument. Tu peux trouver quelque chose qui est bien. Prey pour 9 euros, je crois. Système un peu genre. Ben là, ça devrait déjà être cramé. Hein. Ça fait plus de 10 secondes qu'elle brûle. Quoi, j'ai rallumé le phare, non ? The beacon appears again. Silencing him into awe with its magnificent blade. Ok, elle m'a calmé. Oh, t'as cru que t'es qui? Mince. Ok, il a peur du phare. C'est le dernier boss. Il y a un boss battle, c'est Capel. Qu'est-ce que c'est? Un rêve devenait un cauchemar. Ah, les yeux plus gros que le ventre. Voilà, voilà ce qui se passe. Merde. Mais il y a vraiment un boss? What? Mais non! Ah ok, d'accord, très bien, oui. Elle a des piquants, elle veut me tuer. Et elle vole. Et là, j'étais pas prêt. Ok, là, je... Non. Ah, en plus, il y a des bougies allumées, quoi. Ah, putain, il n'y en a pas qu'une. Là, j'étais pas prêt, là. Je suis choqué, méné. Ah, attendez, je me grattais la tête. Ah! Ah, putain! Ah, mais avance! C'est un tracal de Dark Souls, tout à fait. Ah là, ils m'ont bien eu. Et les bougies restent flottantes quand même. Bon, ça va, c'est pas violent, quoi. Tire des trucs. Ah ok, bon ça c'est les bonnes petites mécaniques bien connues. Ah, c'est chaud hein, les sauts. Hein. Ah oui. Hein. Ah, décidément j'ai pas le temps de lire. Ah les salopards. Attends, allez, on fait le run. Perfect run. Bim. Attends. C'est la première flamme, j'avais pas pigé ça. Hein? Ah, d'accord, c'est que c'est dans Dark Souls la première flamme. Et c'est agressif pour les yeux. Par contre, ça c'est. Ah, GG. J'allais dire sa lumière blanche qui nous aveugle. C'est bien pensé. Je suis au début ou pas? Non, je suis un peu plus loin. C'est sur la gauche, hein, non, je crois. Pas encore. Je vais jouer un rôle en DS. Ah merde, je regarde le chat, bordel! C'est de votre faute, bande de flippitou.
plaintes. N'écoute pas Némé et Méné qui disent des bêtises. Attends. Je pense sur les côtés parce que vraiment... Putain, il faut le passer sur la vache. Ah, c'est stressant. Oh putain, il pète les... Ah le salaud. C'est vraiment pénible son laser. Hein. Je vois rien. I don't see Robignol. Ah ouais. Speedrunner, je pense qu'il est quand même pas très rapide. Enfin, ouais. Ah là, il passe en vue de profil. Ok. Je suis arrêté au pile au bon moment, je crois. Je me serve absolument des engrenages, mais j'en ai pas beaucoup. Ah, c'est comme un truc solaire, ok, d'accord. Quand il dit un grand, il fait mal. On reste collé au bord, on reste tranquille. Ça se passe, j'ai quelques secondes avant de me faire cramer la gueule. Ah, c'est chaud. Ah, ah mais il crame aussi. Ah non. Ah non, mais c'est pas moi qui crame en fait. Ah mais il bloque, il pète tous les blocs, peu importe là. Ah putain, c'est chaud. Et là, je peux m'en servir en fait. Pour aller chercher la bougie. Ah c'est génial. Là je vais peut-être pas le faire. Mais ouais. C'est génial. Ah c'est ouf de mettre un puzzle à ce moment là quand même. Et là c'est pareil, il faut que je pète ça pour pouvoir passer. C'est fou. On va péter le milieu là. Ah mais c'est fait exprès. Attendez, ah, il faut que je me fasse un... Putain, mais c'est trop chaud, mais c'est ce niveau d'énigme de ouf. Enfin de ouf. Il faut gérer en même temps le boss et tout. Ah, il y a un checkpoint. On va checkpointer. Je suis mort. Normalement je suis mort, je sais pas ce qui s'est passé mais... Non, ah, ça a déclenché une cutscene, ok. J'ai pas pu, c'est pas pu sauvegarder encore. Ah si, je suis mort, c'est qui fait. Non, en fait je suis mort au moment d'un début de cinématique. Ok, d'accord. Putain, c'est dommage, j'étais presque. C'est bizarre que le checkpoint était là. Moi j'ai dû me faire juste cramer par le laser en fait. Il se fondu. Arrêtez de bouger, ah bah scotché, mais c'est bien. Ça, je suis pas tenté de le lire. Je préfère faire ça parce que. Route EO, Némé Smith. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se relève? Lorenzo Lamas. Ah si, elle peut me cramer, ouais. J'étais pas sûr. Oh. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait le laser c'était juste pour me faire voir où ça allait cramer, mais ça peut aussi me tuer. On en est sûr. Ah bah désolé, je pensais pas non plus que ça allait être aussi intéressant. Je pensais qu'il allait être beaucoup beaucoup plus court déjà, moitié moins long. Je m'attendais, je te dis, à une heure de durée de vie quoi. Et ben non.
pas paniquer forcément. Si je peux me faire un peu cramer par le laser, mais pas trop longtemps. Là, tu vois, j'ai cru que j'étais mort. C'est pour ça que ça m'a rendu en erreur. Bah, je savais pas, il y avait quand même des bonnes notes, hein, je l'ai lu. Sur JV. Ah oui, c'est ça que ça me fait fondre en fait. Ok, d'accord, c'est pour ça que j'ai un peu de temps. Ok. Sur JV.com, il a 14. Donc là, c'est encore plus dur à jauger. Hein. Je fasse gaffe, quand même. C'est bien montré, en plus, un tout petit point blanc pour faire voir où ça va être cassé. C'est logique, c'est ça marche. Checkpoint. On va attendre là bien au sec. Et on va aller checker le point. Ouais. C'est tout à l'heure, je meurs vraiment pendant la cinématique. Je suis muté à 6 vies, ou 10 vies en tout, je pense. Voilà. ouais. Ah, ok, il détruit tout. Il pète tout le décor, en fait. Ouais, juste à courir. Oh, oh, fou, 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 fou. Dépêchons-nous quand même. J'ai un peu déçu par le phare, je m'attendais à mieux. Il est pas gentil, moi je croyais que ça allait être un gentil, il est pas gentil. Je suis choqué. Ah, je vois rien de toute façon, là je vois plus rien. Je ne vois plus rien. Sur la perspective de la lumière aveuglante, là je... compliqué. Allez. Je suggère d'aller à gauche quand même pour trouver la sortie. Donc on va pas... parce qu'il y a un détour, mais... parce que j'ai encore des bougies à trouver si je veux. T'as cru que j'allais faire des énigmes. Ouais, tout colle bien, tout est nickel. Ouais. On a acheté. Hein. Il y avait une bougie au milieu, bah Osef, hein, je vais te dire. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Je sais pas s'il va tout me péter, l'angle de vue est pas mon avantage. Alors la bougie, on s'en fout. Casse-toi. Casse-toi. Tu t'en fous, tu pourras pas devenir le phare. De toute façon, l'objectif, là, c'est bon. On se casse. C'est pas si superbe que ça, visuellement. C'est un peu... enfin... il y a les trucs là, il y a les trucs, c'est quoi tout ça? Pourquoi il y a des espèces de trucs bizarres là, non? C'est juste pour décorer. Là, par contre, faut que je me speed parce que là, je vais pas survivre. S'il y a un léger décalage, je vois pas toujours bien où ça va tomber son tir. Bon, c'est chaud. Ah oui, la langue de vue fait que oui, c'est déjà un peu plus tendu. Ah, c'est fait exprès, je crains rien. On y arrive. Il va popper devant, il va popper devant. Ah mon dieu, ce grand final. Ce grand final cinématique, ouais, bon, toi. Allez, bougie, allez, bougie. Bouge, bougie, boogie, boogie. Boogie, boogie, bougie, j'ai pas quoi. Ouais. Ça, là, j'ai plus grand chose à faire. Cri du léopard, ah d'accord, Heather, si tu le dis. Au nom de son rêve, la petite n'a plus de force à se brûler. De force à brûler, ouais. C'est aussi de traduction. Allez, alors on a plus de force, on abandonne. Ah, parce que j'ai pas récupéré toutes les bougies, j'ai pas vu la bonne fin. C'est horrible de me faire ça. Oh, les salauds, je suis sûr que c'est ça en plus. Je vais voir s'il y a une good ending. S'il est incapable de donner un fin. Mais c'est horrible, on me fait faire le combat, quoi. À quoi bon si t'étais pas le meilleur? C'est ça la morale? Si tu veux pas être l'ultime guide, tu as plus qu'à te suicider. Mais c'est horrible! Mais c'est dégueulasse! Mais c'est ça en plus. Oh, ça m'énerve. Le truc de pourvoir la bonne fin, faut tout trouver. C'est pas fini!
combien de chapitres? C'est pas fini. Mais il est minuit, quoi. C'est pas fini, merde, à la fin. Il y a encore je sais pas combien. Mais oui, je suis pas d'accord. Oh, durée de vie, ils sont rudes, les mecs, ils disaient qu'il était court, ça va, quoi. Suicidez-vous. Non, mais oui, un peu. Non, mais c'est parce qu'il y a une petite perte. Du coup, là, c'est logique, vu qu'il y a une suite, tu vois. C'est, après, on va remonter avec les épreuves, on va s'entraîner auprès de Tortue Géniale, on va maîtriser après avec Beerus, Méga Instinct, ça, voilà. Et à la fin, on va niquer. Once again, the little candle finds himself trapped within the darkness. Bon, bah, je vais arrêter là, et puis on reprendra demain, même si ça dure pas longtemps, j'ai d'autres jeux après. J'attends juste que ça save pour être sûr, quand même, juste pour voir. Unable to become bright like the beacon. Oh. A sadness fills his heart. C'est trop triste. Pim pum. Bon, ça se trouve, je suis à un chapitre de la fin, mais je pense pas parce que là, l'idée, à mon avis, c'est de remonter jusqu'au phare et de lui niquer sa merde. Ok, quoi? Non, the once shattered light bulbs and discarded cogs become perilous before his eyes. Devenez dangereux, c'est-à-dire. Je suis pas fragile, on ramené. C'est pas fini. Ah, je vais avoir peur de tout. Bah, bouger aussi, c'est une fragile. Ouais. Ça va bien, Heather, t'inquiète pas. Tout va très bien. Je veux juste voir ce que ça fait. Ah oui, bien sûr, ça me brûle. La bonne brûlure. Mais oui, ça va finir en Resident Evil 7. Je vais me fabriquer un lance-flamme avec ma petite bougie. Ok, bon. On va s'arrêter là. Ouais, il y a combien de chapitres dans cette merde? Candleman. Eh bah écoutez, ouais, il est très long. Vraiment très très long. Fichtre. Bon, bah, demain, on est dimanche, oui. Demain, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. On allume les cierges, on allume les bougies. Écoutez, c'est thématique. Tiki-tiki-tac, on y va. Demain soir, 21h. Voilà, la suite. Et puis, peut-être, j'ai un autre petit jeu. J'ai un faux... j'ai un fake Cuphead, Méné. Si tu veux le voir, je te le ferai voir demain si on finit Candleman. C'est un faux Cuphead au niveau des graphismes, mais moche. Mais c'est vraiment tellement ignoble, tellement les mecs, ils veulent juste copier pour se faire du fric. C'est hilarant. Donc, voilà. Merci, c'est chaudotte. Allez. Allez, demain matin, on refera, on continuera, Candleman, on verra si je le finis. Ah, c'est demain le jour de la marmotte, mais non, c'est déjà passé. C'est comme dans le film, hein, c'est ça. J'ai vu Murray, il disait. Bon, bah, bonne soirée. Hein, profitez bien de votre dimanche pour refaire Robin dodo. Vous reposez bien et puis transformez le soir. Allez, nous floupiti flou, à demain.